vilain. Tout ça c'est bon, on a ça devant. Et c'est parti mon kiki, on va mettre la scène directement. Voilà. Allez. Bienvenue les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo pour ceux qui seront sur YouTube. Et bienvenue à ceux qui arrivent sur le live au même moment. Donc, je lance une nouvelle partie. Enfin, en vrai, j'ai commencé une nouvelle partie. Mais je voulais vous éviter un petit peu le tout début où on est en train de courir après les cochons et tout. Merci, merci à toi, Docteur P, je te fais des gras... ouais, 42e mois. Oh, gros bisous à toi, merci. Merci beaucoup, c'est super gentil. Donc voilà, alors du coup, bienvenue à ceux qui arrivent, hein, les amis. Garry's Mayoring, etc. Donc il y aura une rediff YouTube parce que je lance une nouvelle aventure Valheim. Coucou, Al. Et bienvenue à ceux qui sont en train d'arriver. Merci Poyo pour tes 100 bits, c'est très gentil. Alors du coup, j'ai lancé une nouvelle partie cet après-midi, parce que le but, on va aller assez vite, entre guillemets. Hein. Je voulais pas prendre un ancien perso, parce qu'en fait il y a des nouveaux trucs, mais même dès le début, vous allez voir... bah non, les gueux, le problème des gueux, c'est que on peut pas jouer tant que tous les modes n'ont pas été mis à jour avec Valheim, donc ça ne marche plus. Voilà, donc pour la saga des gueux, elle est de côté, mais rassurez-vous, on y reviendra, bien sûr. Hein. Et donc du coup, voilà. C'est pas le Nodes, mais on va essayer de le faire en Nodes au moins jusqu'en Islande, quand même. Donc j'ai créé un perso en début d'après-midi, juste après la mise à jour, que j'ai appelé Miss Man. Et j'ai créé une nouvelle map qui s'appelle Miss Man Map, puisque l'objectif, c'est d'aller dans les Mistlands, voilà, et d'y aller en bon état, en bonne et due forme. Alors attendez, donc j'ai commencé un peu cet après-midi. Et je me suis dit, allez, là j'arrive à un moment où je vais me construire une petite maison vite fait, un petit abri. J'ai exploré un petit peu, donc vous allez voir où est-ce que j'en suis, c'est vraiment le tout début. Hein. Mais par contre, ce qui est sympa, c'est quand on arrive, par exemple, quand on arrive dans des maisons, maintenant la musique change, alors qu'avant elle ne changeait pas. Je pense qu'il y a d'autres petits détails que je ne veux pas louper, c'est pour ça que je remets une partie dès le départ. Et vu que j'ai quand même plus de 2000 heures de jeu sur Valheim, je pense que ça peut être intéressant de voir un Start Vanilla simple. Alors, Start Vanilla, bah, au début, c'est facile. Hein. On explore, hein, je vous montre un peu la map. Voilà, donc bon, c'est le tout début. Hein. Donc, j'ai exploré un petit peu. Donc, j'ai trouvé du cuivre pas loin. C'est pour ça que je vais m'installer par ici. Et en plus, j'aime bien aussi cette orientation-là d'avoir des couchers de soleil à l'ouest. Ça me rappelle ma Normandie natale. Même si, par exemple, Dieppe, l'angle est plus comme ça que comme ça. Mais je me suis dit, à cet endroit-là, je suis bien. Il y a du cuivre pas loin. Il y a plein de trucs pas loin. J'ai exploré un petit peu au sud. Voilà ce qu'on est pour l'instant. Donc, j'ai pas encore fait de maison. Hein. J'ai mis quelques coffres. Là, je viens d'aller me promener pas mal. Donc, je vais pouvoir même construire fabrication. Ce truc-là, il va me manquer juste des silex. Mais je crois que j'en ai mis dans les coffres. Je sais pas où... Ici, c'est parfait, Madame Chambier. Voilà. Tu m'étonnes que je suis encombré. C'est lourd, bien sûr. Voilà. Donc pour l'instant, on va pouvoir se faire ce truc-là. Hop là, qui va me passer ma table level 3. On récupère tout. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? On peut améliorer le bouclier en bois. Ça, c'est une bonne idée. Voilà, comme ça, j'ai mon bouclier level 2. Je joue au couteau pour l'instant. Tout le reste, les tuniques en cuir, les pantalons, il me faut des pots de machin, mais je crois que j'en ai plus beaucoup. Je vais regarder ce qu'il me reste, si je vais pouvoir améliorer un truc. Bonjour. Voilà, fallait pas venir ici. Donc là, je vais commencer à me faire une maison, mais il va falloir une petite maison, on va se faire un tout début. Voilà, il faudrait que je mette un coup de pioche. Voilà, on va voir ça. Allez, bienvenue à ceux qui arrivent. Voilà, donc du coup, amélioration, ouais, la tunique, le pantalon, ou le casque, peu importe. On va améliorer la tunique. En plus, j'ai des os. Ah oui, j'ai des os. Eh ben, améliorer. Bim, comme ça,
Ah oui, c'est vrai qu'il faut remettre ici ça. On va même pouvoir faire écrire très très vite. Le seul truc que je voulais attendre. Alors attendez, ça c'est là. C'était d'avoir du miel et je viens juste d'en avoir. Je viens juste de trouver une ruche. Donc j'ai mis du temps avant de la trouver. Et donc on va pouvoir se faire écrire, avoir une pioche très vite et passer à la suite des opérations. Bon, bon, bon. Voilà, ça va aller assez rapidement. Hein, quand on connaît bien le jeu, hein, au début, ça va. Quand on connaît bien le jeu, au début, ça va. Voilà. Donc, du coup, je suis content. J'aime bien les démarrages de parties comme ça. C'est toujours sympa. Alors, ça, j'en ai pas besoin. On va se vider un petit peu de... Si, je voulais me faire au moins un dortoir. Je vais me faire juste un dortoir pour le moment. L'orientation, si je me mets comme ça, on sera pas trop mal. Allez, on sera pas trop mal. Bon, on va se faire une toute petite maison pour le moment. Quand je dis une toute petite, hein, vous allez voir, ce sera vraiment une petite maison. Hein. Voilà, on va se faire un truc comme ça. C'est juste pour dormir et mettre quelques coffres. Et puis on agrandira après. Bim, bim. Voilà. Bon là je mettrai un coup de pioche juste après. Donc on va se faire un truc dans ce style. Bim. Voilà, comme ça je rentrerai par là. Là on va se faire une petite ouverture de coffre. J'aurais pu faire une troisième quand même. Comme ça. Il manque quelque chose. Je parie que j'ai plus de bois. Ouais, un tout petit peu ici. Ah bah le coffre est vide. Hé hé, ça va faire. On récupère 10 de bois. Et vous allez voir du bois, on va aller en chercher, on va en trouver plein. Mais très vite sans miner. Pas son kikiné, moi je vous le dis. Voilà, j'ai pas besoin. On va fermer direct comme ça. Ah oui, non, là je voulais pas faire ça. La petite maison, là on va faire bim bim. Quand même, les couchers de soleil, important d'avoir. Voilà, important. Là on va se faire une fenêtre à cet endroit là. Ok, là je vais pas fermer tout de suite. On va se faire un petit toit qu'on va faire comme ça, gentiment. Bim bim. Ok, encore une. Quand j'ai dit qu'on va faire, on va faire du simple hein, pour l'instant. Il manque quelque chose. Alors du coup, il faut que je mange. Je mange mon miel ou... Ouais, allez, je vais manger mon miel. Plus ça. Voilà. Alors, on va se vider de tout ce qu'on a sur nous. Parce qu'on en a du bins, hein. Je te jure. Les pierres, ça pèse lourd. Tout ce qui pèse lourd, genre ça, ça. Les trophées, je peux les mettre ici. De la viande. Attendez, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai des pots. J'en ai encore un petit peu. Des pierres, non. Ah non, des beefsteaks, tout est plein. Je peux... J'ai déjà tué des machins. Ok, c'est bon. J'ai un petit peu de flèches, mais pas beaucoup. Là, en poids, je suis à 51 sur 300. Allez, on va chercher du bois. Gratuit. Et là, il y en a plein gratuit. On en profite pour explorer quand même un petit peu. Allez, bienvenue à tous ceux qui sont en train d'arriver. Nouvelle partie Valheim. Nouvelle partie à la Valheim. Oui, oui, normalement. Et moi, j'ai créé une nouvelle map pour être sûr. Ah, t'as recréé une map et t'en as pas. Mais ils sont loin, les Mistlands, hein, les Tignac. Hein. Donc, ils sont assez loin. Donc, c'est normal de pas en trouver tout de suite. Regardez, c'est bien parce que j'ai des... J'ai de la forêt noire qui est vraiment pas loin, juste là. Ça, c'est plutôt cool. Bon, au début, de toute façon, je vais ramer un peu en stam. En stamina. En énergie. Ce qui est normal. Oui, surtout que j'ai pas pris de repos. Bien sûr. Ah oui, j'ai pas pris de repos. Je crois que j'ai pas pensé à ça.
intérêt à faire attention. On va essayer de la faire en modeste, là, la partie. Voilà, il y a un autre prétendant. Voilà. Le couteau, c'est quand même pas mal. C'est assez redoutable, hein, le couteau en game. Même sur une partie vanilla. Alors, pour l'instant, j'ai désactivé les herbes au sol. Mais remarquez, je pourrais les remettre là. Parce qu'en fait, c'était beaucoup pour trouver les champignons et tout ça au départ. C'est vrai que le jeu est un petit peu plus joli. Faut pas que je commence à faire trop le cacou. Mais je voulais explorer quand même un peu. Bon, remarquez, là, pour l'instant, ça va. Hein. Tout va bien. En vrai, on peut même commencer à couper du pain. Oh, les dingueries. Le jeu semble tellement plus facile quand vous n'êtes pas contre des mobs 5 étoiles dès le départ. C'est clair que... Bon. On va se couper. Ça va me débloquer des trucs. Alors, je sais pas si ça fonctionne dans les maps anciennes. Logiquement, oui. Si t'as pas tout exploré... ce qu'il faut, c'est pas avoir exploré, je pense. Voilà. Donc pour l'instant, hein, on est vraiment au début de la partie, hein, je suis juste en cuir. Level 1 et 2 pour la tunique. Hein, donc on est vraiment en début de partie. Hein. Alors donc il faut quand même être prudent. Bon, je m'autorise de mourir puisque le but c'est d'aller dans les Mistlands. Ah, un deuxième squelette. Ça veut dire qu'il y a une chambre funéraire pas loin. Voilà. Il y a une chambre funéraire juste à côté. Je sais pas où est-ce qu'elle est. On va la trouver. Ben voilà, elle est là-bas. Très bien, on va aller la noter. On va aller dégommer le squelette qui est là. Alors, les squelettes, je les fais à la hache. Parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles à la hache qu'au couteau. Bon, après, on augmentera nos trucs au couteau, mais pour l'instant, on va se la jouer comme ça. Donc ici, on a une chambre funéraire. Entrée. Voilà, très bien. Alors, j'ai vu un truc intéressant ici. Merci, Simon, le voyou. Oh, le petit voyou. Alors, bim. Qui a réussi pour son deuxième mois avec son Twitch Prime. Merci à toi. Je te fais les gros bisous. Ah mince, j'ai loupé la parade. Bon, c'est pas dramatique, à ce stade du jeu, c'est pas dramatique. Alors c'est bien ce qu'on a ramassé du bois comme ça. Donc, ça c'est très bien. On va se le garder précieusement. Continue d'explorer un peu. Des fois qu'on trouve une autruche dans une maison, ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Une ruche ou paruche? Non, j'entends pas bzibzit. Donc paruche. Bon, par contre, on prend tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce que tu veux, mon chopépère? Hein, m'a même pas tapé. J'ai cru qu'il allait taper. J'attendais pour parer. Allez, les gars, faut que je... Voilà, faut que je monte ma compétence de blocage. Faut peut-être vous énerver un peu. Hein. Alors là, en plus qui est bien, 5, 5, 5, 5. Est-ce que je peux faire... Ouais, super, j'ai assez de bois. Bim. Ok. Ah. On va récupérer du bois. Regardez-moi ça si c'est beau, vraiment que c'est magnifique. Une autre ruse dans une maison. Ouais, j'avoue, dans Valheim, ça serait une première. Mais on sait pas hein, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir plus tard. Un nouveau truc. Je suis à 234 sur 300, not bad. Je repère aussi la forêt noire, elle a une drôle de forme.
Des petits bouts de forêt noire, comme ça. Évidemment. Ça m'aurait étonné. Ok. Hop là. Allô, bonjour. Non, non. On veut pas de pompe à chaleur, nous. Merci. Qu'est-ce qui nous embête, je vous jure. Alors évidemment on peut ramasser aussi tous les bouts de bois qui sont là. Alors c'était où village bois, il est un peu loin. Là surtout que là attendez. Ok. Merci pour la résine. Ouais. On va, vous savez pas quoi, on va prendre déjà le bois qui est à côté de nous. Parce que là en fait rien que là je suis à 240 sur 300. Bon, remarquez, c'est pas très loin, mais ça fait une trotte pour pas grand chose. Là, je suis là. Allez, en plus, j'ai pas exploré cette partie-là. Bim, on retourne directement par là-bas. En ramassant ce qu'on trouve par terre. C'est gratuit. C'est pas cher. Eh oui, Escalibur ! Alors ? Normalement, c'est toujours le premier. Toujours premier Escalibur, mais pas aujourd'hui. Évidemment, ce que j'ai démarré plus tôt, bien sûr. Oh, ouais. Oh, bah, tant pis. Tu auras la vie sauve, cher émissaire, pour le moment. Je l'aurai un jour, ou pas. Alors, du coup, là, on est pas mal. C'est tout droit. On en profite, hein. On continue de ramasser les petits bouts de bâton qui traînent. Comme les démarrages de Valheim classiques, traditionnels. Tiens, un truc aussi, ça c'est du bois facile. Ah, je ralance Tam, il va vraiment falloir que j'ai du confort. Il y a combien? 270 en poids. L'environnement est sympa. Le coin est charmant. C'est vrai que souvent, moi, je m'installe. Bon, évidemment, en fonction de l'environnement, faut que je sois pas loin d'une forêt noire, histoire de pas faire 50 km pour ramener. Oh bah tiens, je suis GG à full. Peu importe. Et ouais, pour ramener du cuivre et de l'étain. Et donc c'est bien. Voilà. Alors, petite maison rapide. Comme j'ai dit. Petite cabane dans la forêt. On va faire étire après dans la foulée. Hein, parce que pourquoi attendre pourquoi attendre, en fait. Voilà, parce que là, j'aimerais bien pouvoir recreuser construction. Hop, on va se faire un toit comme ça. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ici. Voilà, histoire qu'on puisse faire un petit dodo assez rapidement. Donc là, je vais me faire un lit. Tiens, on se fera des cheminées. Remarquez, j'aurais pu faire un tout petit chouille plus grand, la baraque. Voilà, on l'agrandira sans doute un peu par là, et puis on fera des cheminées par ici. Ça changera un petit peu. Alors là, le feu, il est un peu loin. Le feu, il est un petit peu loin, le feu. J'ai pas d'autres cailloux, si, bien sûr. Bien sûr qu'on a d'autres cailloux. Tac. On fera un feu. Attendez, je réfléchis. Si j'agrandis d'un par là, on aurait les feux. Là, j'ai la place pour faire les machins. Donc, peut-être par ici, à peu près, les feux. Ouais, bon, on verra après. De toute façon. Je vais en mettre un là pour être sûr de pouvoir dormir. 5. Fabrication. Meuble. Un lit. Bim. Le lit est trop exposé. Alors, il va être trop exposé. Je te jure. Voilà.
Ouais, comme ça, regardez, on aura des jolis couchers de soleil, là, comme ça, par la fenêtre. Hein. Oh oui, ça va être beau. Allez, petit dodo. Ah, c'est... J'ai encore mon chat qui... Ça va? Ah ouais. Ah, ça va. Coucou Lucio, coucou à ceux qui arrivent. Oui, mise à jour Mistland disponible pour tout le monde. Voilà, jour 5. Vous voyez, quand je vous disais que c'était vraiment le début, au tout début de l'aventure, hein, on démarre. Hein, c'est vraiment le démarrage. Alors, je pense qu'on va se faire Ektir directement. J'ai quoi? J'ai ça. Ouais. On va pas s'embêter. J'ai de la forme. Je suis en forme. J'ai même pas été voir. On va se faire... Attendez, j'ai quoi comme machin? J'ai pas d'autres nonos. J'en ai combien? J'en ai plus que 1, plus 3, j'en ai que 4. Crotte des biches. Ah, c'est pas grave. Alors, j'ai fait une erreur, hein. J'ai fait deux pantalons en cuir. Quel dommage. Ah, pour faire une cape, c'est combien? Fabrication. Je sais plus, c'est combien les capes. Marteau. Cap. Ah, c'est 5 de nonos. Je sais pas, bon, c'est pas grave. En fait, je pourrais très bien retourner à la chambre funéraire là-bas. Mais pour avoir un nonos et refaire une cape et refaire un truc. Mais bon, allez, on va pas s'enquiquiner. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire des flèches. Combien ça coûte les flèches, genre les flèches enflammées? C'est 8. Oh, ça coûte cher, mon machin, dis donc. Les flèches en silex. Oh, on va se faire des flèches en silex. Des plumes, j'en ai un petit peu là. Je regarde un petit peu, ouais, j'en ai que 4. Ok. J'en ai que 4 ici. Là, j'en ai 44. Du silex, j'en avais pas d'autres. Vous êtes sérieux? J'en ai que 3. Il m'en faudra encore un tout petit peu. Hop. Bon. Si vous êtes demandé gentiment. J'ai vraiment pas beaucoup de stam. Ça, par contre, c'est très embêtant. Avec une seule ruche, ça va peut-être être un peu tendu. Mais ça va, je pense que ça va aller. Ouais, ça va aller. Allez. Bim. Alors. Fabrication, flèche en silex. Flèche en silex. Elles font un peu plus mal, hein, c'est pour ça. Voilà, et je peux plus en faire de toute façon. J'ai plus de machin. Donc on va se vider un petit peu si j'ai de la place quelque part. On va se refaire un coffre. Pour l'instant, on met tout à côté, hein, sans qu'il finisse pas. On met tout là. Juste un truc que je peux faire par contre. Parce que ça va être intéressant si j'ai assez de cuir. J'en ai plus. Je suis sérieux. C'est pas grave. On fait de la place. Ok, ça va là-dedans. J'ai des trucs en double dans les coffres. Genre ça et ça. Ça, c'est faut que je le garde absolument. Je vais le prendre juste avant de combattre. Le Ektir. Voilà, ça va là, ça va là. Pas la place. Ah, je me disais bien. Caillou. Truc de dinguerie. Ça va là. Combien il me faut? Il me faut deux comme ça. J'ai vu qu'il y avait des trucs. Pareil, c'était doublé. Là, j'en ai encore plein d'autres. Là, on va mettre ça là. Et ça ira bien. Ça fera bien l'affaire. Voilà. Allez, on va se faire une tire comme ça. On aura une pioche. On sera tranquille. On pourra faire un beau terrain. On va essayer de pas mourir, hein, quand même. Ah si. Il faut que je mange ça. Et ça. Allez, c'est parti, mon kiki.
Oh, et en plus, il faut que je fasse le tour. Je vous jure. J'ai presque pas de compétences de feu. Coucou Sandrine, coucou à ceux qui sont arrivés. De toute façon, je vais être obligé d'être mouillé. Je vais reprendre un petit peu de silex, hein, tant que j'y suis au passage. Ouais, c'est bien, c'est bien. Vous êtes sûr que vous voulez mourir? Ah, le couteau, il dépote le couteau. Oh, j'aime bien le couteau. Allez, on traverse. Compétence nager 1. Ah oui, j'avais même pas encore nagé. Allez, salut, bienvenue les amis. Ah, du cochon, ça c'est... Tout est bon. Hop. Ah, reviens Léon. Reviens, allez, reviens, reviens, reviens. Faut que je surveille parce que j'ai plus que 5 minutes de repos. Oh, je vais galérer. Et en plus, je suis mouillé. Ce qui n'arrange rien. N'arrange rien du tout, ça. Ah, super, il y a une maison là-bas. Super, il y a une maison. Alors, ça m'arrange. J'ai combien de pierres? Encore une. Ou deux. Alors, elle tire juste là. On va juste aller se reprendre un peu plus de repos et... Oh, génial! J'ai entendu une ruche. Ah, il y a une autre ruche. Génial. Ok. D'autres flèches. Encore plus génial. Donc on va se faire construction, fabrication divers, bim, un feu. Qu'on va mettre ici. Confort 3, c'est déjà mieux que rien. Allez, faut un établi. J'ai pas de bois, tant pis. Voilà, il va m'en falloir du bois. Bon, on viendra après reprendre la ruche là. C'est bon, j'ai du confort, j'ai 10 minutes de confort, parfait. On reprend ça. Bon, attendez, ce qui fait n'est plus à faire. Donc on se prend ça. On se met un petit établi vite fait. On casse tout ce qu'entoure notre ruche. Ça c'est génial. Merci pour le miel. Oh bah dis donc. C'est la fête. Ok, donc on prend ça. Qu'est-ce que j'ai besoin? Du bois, je vais en avoir besoin un petit peu. Hein. Quand je dis un petit peu, en fait, du bois, on en a toujours besoin dans le jeu. Là, il est gratuit, hein. Alors, merci madame. Merci madame. Allez, donc ça c'est bon. Bon, Ektir. Vite fait, bien fait. Quand je dis ça, puis ça se trouve, il va nous poutrer la goule. Voilà. Chasser les siens. Voilà, c'est ça. Donc on met 8. Vous offrez le sacrifice. Il va apparaître par là. Donc on le tape toujours avant qu'il apparaisse vraiment. On va le blinder de coups de couteau. Ça va le calmer d'entrée, lui. Oh, roche. Ça pique. Super.
Oh, électricité statique. Bon, le premier boss, c'est vraiment une formalité, hein. Entre guillemets, à partir du moment où on a bien compris les mécaniques du jeu. Et en plus, il n'est pas étoilé. Bon, ça va aller. Hop. Allez, Roger. C'est un beau trophée à son pépère, ça. Mince. J'ai pas beaucoup de flèches, alors si je les loupe. Ouais, quand l'arc est chargé à fond, ça lui fait beaucoup plus mal, hein. C'est marrant, il ne charge pas tellement le bétail. Mmh. Mmh. Voilà, c'est bien. Alors là, on est content. Oh, qu'est-ce qu'on est content. Donc on a trois boîtes de serre, donc on va pouvoir se faire des machins. Alors je vais quand même aller voir là-haut ce qui se passe. Mais ça sort notre dos. Oui, c'est vrai que la première fois qu'on le fait, on n'est pas super rassuré. C'est tout à fait vrai. Alors, j'ai vu que j'avais plus de pot pas de sanglier, mais de cerf. Donc, si on envoie... Bim! On le dégomme. En plus, on en profite pour explorer en même temps. Je regarde souvent la petite map en haut à droite, hein, pour voir dans quelle direction il faut que j'aille, etc. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que j'ai vu? Alors, je sais pas si vous avez vu. J'ai vu un vec-vizir. Voilà, j'ai un petit freeze. Hop là. Je vois le troupeau. Ils sont beaucoup là. Moi, c'est un petit peu beaucoup. Voilà, merci madame. Ah, j'aurais bien aimé prendre le bois précieux, mais tant que j'ai pas de brise-serre, ça va être enquiquinant de les combattre tous là. C'est faisable, hein, mais c'est plus compliqué. Ils sont quand même beaucoup. C'est les cailloux au début qui sont saoulants avec leurs cailloux. J'envahis ma vie. Hein. Voilà, le couteau, ce qui est bien, c'est que ça va quand même assez vite. Ok. Oh, j'ai un trophée de l'ingridio. Alors, ce qui est bien, c'est ça. Donc, 4. Voilà, on a du bois précieux, super. Je suis combien? 260. Très bien. Alors, on regarde là-dedans. La personne. Dans le coffre. Merci, madame. Merci, madame. Ok, alors en vrai, la torche, j'en veux pas. Ça prend de la place dans mon inventaire et ça sert pas à grand-chose. Donc là, on est pas mal. On a tout ce qu'on voulait. On a même du minerai d'étain. Coucou Natal, coucou à ceux qui arrivent, bienvenue mes amis. Nouvelle partie Valheim. Ouais. Alors j'explore un petit peu quand même là. Je regarde, dis donc, la rivière est profonde, hein, cet endroit-là. Il est où le machin? Et à chaque fois, il va me saouler 300 ans, je sais pas où est-ce qu'il est. Il est là. Qu'est-ce que tu veux? Le minerai doit être raffiné, ouais, je sais, je suis au courant. Ah, autre chambre funéraire. Ah oui, c'est vrai. Alors, chambre funéraire. Ah bah ça, c'est bien. Allez, les dingueries, vous allez m'aider. Là, il y a du squelette. Combattez-vous. Voilà. Faites-vous du mal. Entre vous.
Moi j'observe, hein, je ne veux pas me fatiguer. C'était le concept, hein, c'est très bien. On va juste ramasser les miettes après, quoi. Alors, il y a du nonos ici. Il y a du nonos. Oh, lui, par contre. Lui, par contre, pas bien. Ok, alors, bim. Vite, elle. Champ funéraire en entrée. Hop, hop, on se casse. Parce que l'autre, il met du poison et je suis déjà mort tellement de fois contre ces bestiaux-là. Mais bon, contre des étoilés aussi. Hein. Donc du coup, ouais, belle flèche. Je suis assez content. Ouais. Quoi? Ah crotte de bique, crotte de bique, crotte de bique. On va se prendre ça plutôt. Ah, c'est la peau que j'aurais voulu. Des beefsteaks, j'en ai plein. Voilà. Le trophée, ça aurait été bien aussi, mais... Qu'est-ce que c'est que j'ai pas besoin? La Codex. Non, je préfère ça. Le reste, j'en ai pas mal. Voilà. Alors, M. Non, faut que j'aille de l'autre côté, faut que j'aille par là-bas. Je retourne. Faut qu'on aille par là. En tout cas, la chambre funéraire qui est là, ça c'est plutôt cool. Je me fais toujours un brise-serre avant. Je préfère. Hein. Ça, du coup, on recroise l'autre nain. Hein. Ah, c'est parce que là-bas, il y a une... Il y a une baraque, là, un frite. Là. Par contre, pour monter, ça va être Tandax, là, ici, hein. Je le tente ou... Vous avez vu cette montée de fou, hein. Je sais pas si j'aurai la stam... Oh, alors, on y va. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Il faut garder sa stam à fond. Parce qu'après, il faut la grimper, la côte, hein. Je te le dis. Hein. Il n'y a pas un coffre, là, au-dessus. Des fois, il y en a. Crotte. Bon. Par contre, il y a champignons. Même pas. C'est honteux. C'est un scandale. Alors, jusqu'à où ils vont me suivre? Ah, mais il me suit encore, lui. Ah, vous n'êtes plus reposé. Ils sont tenaces, hein, les bestiaux, ouais. Qu'est-ce qu'ils sont tenaces, hein, ils saoulent. Oh, il y a du cuivre juste là, regardez. Alors lui, déjà, il m'a pas grillé. Trop tard. Ah bah si, je l'ai noté, ce cuivre. Ah oui, mais je l'ai noté. Bon, bah c'est bien. Donc, chambre funéraire là, cuivre là. Écoutez, les amis... Que demande le peuple? Salut Sir Sam! Salut Mélodie! En fait, l'aîné, j'ai pas regardé où est-ce qu'il est. Non, il est pas trop loin, il suffit de continuer vers le nord. On pourra même y aller à pied. On va se faire ça vite fait aussi, hein. On est pas là pour traîner 300 ans. Oh là là, ils m'ont fait fuir mes bichettes, là. Payé. Je te jure. Bande de nains de jardin, là. Ouais, il y a un sanglier. À côté. Oh, elle a eu chaud, la bichette. Non mais, tu es fou, dis. C'est un truc qui m'a fait. Il m'a fait... Il m'a fichu la trouille. Qu'est-ce qui manque? Du miel. Pas normal, ça. Bon, les bichettes, au début, compliqué.
Bichette. Vous savez, Suzanne. Oh, Bichette. Allez, comme ça, du coup, on va pouvoir se faire notre petite maison gentiment. 174, je vais même casser le bois qui est là. L'endroit est sympa. L'endroit est cool. Tiens. Regardez la bichette. Bim. Très bien. Trop lourd, c'est ça? Non, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Des fois, j'ai l'impression que mes flèches passent au travers. C'est assez bizarre. T'as vraiment l'impression. Ah, en fait, j'ai pas déposé mon trophée, moi. Non, pas grave, hein, pas grave. On va se faire. Bon, bah là, j'aurai les ouvertures pour le lit. On va se crafter. Déjà, on va se faire de la place. Hein, parce que là, c'est vraiment le brin dans mes coffres. Le bois, tout ce qui est bois, ça va aller là. Ok, le silex. Les pierres, tout ça. Alors du coup, ça va ici. Ça va ici. Oh, j'en ai déjà, je suis déjà full machin. Ça va là. Tout le bois, j'ai tout pris. Ouais, on va s'en prendre. Ça, on va s'en crafter. Une petite pioche. Bim. On va mettre en 6. Comme d'hab. Voilà. Du coup, oui, c'est vrai qu'on peut pas les recycler. Ça, c'est dommage qu'on puisse pas. Non, c'est que on peut pas recycler les trucs. C'est seulement en modé qu'on peut faire ça. Ouais. Alors, on va se mettre une deuxième ruche. Qu'on va mettre là en attendant. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce que tu veux, mon pépère? Oui, je sais qu'on va avoir du minerai, t'inquiète pas. On va en avoir du minerai. Putain, c'est marrant, pourquoi le feu est éteint, là? Bizarre. Bizarre. Alors, on s'est pas vidé de tout, ou presque. Donc, on va se vider de ça. De... ça qui va aller ici. Ok. Qu'est-ce que j'avais d'autre? La résine qui va aller là. Les bois de serre, les poches, j'ai plus de place. C'est dommage hein, qu'on puisse pas. Oh, là, quel dommage que je me suis fail sur ce truc-là. Ça, c'est quand même embêtant. Allez, on va se refaire un coffre. Un meuble qui va aller là. On va essayer d'avancer vite hein, tout le début. Bim, bim, bim. Bim, 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 bim. Et puis ça, je le garde, puisqu'il va falloir que j'aille le mettre... qu'on aille le mettre au bout. Bien! Voilà, donc ça, c'est fait. Donc, en attendant, petit dodo, on se repose un petit peu. Très important. Très, très important. Voilà. Commence à avoir un petit peu faim. Alors, ça c'est là. Il est où le machin? Il est... Bon, on suit la rivière. Enfin, la rivière. La mer, plutôt. Hein, parce que là, c'est une mer, ça, les amis. Oui, oui, c'est bien. Comme ça, on va avoir le pouvoir des tirs. Ça va être super. Ah, si je vois des oiseaux, faut que je pense à en dégommer parce que j'ai pas de flèches. Tiens, c'est marrant qu'il m'ait pas suivi. Voilà. Un petit peu de... Ouais, c'est 3 par 3, c'est pas beaucoup. Ah, puis des bichettes aussi, crotte. C'est... On va pas courir, on va y aller tranquillou. Pour les voir. Tiens, bichette. Oh,
il est un peu loin. Ils ont tendance à revenir. Ils ont tendance à revenir à leur point de départ. On est barré loin. C'est pour ça que je me mets en mode discrétion. Bon, c'est pas grave. On va se faire un sanglier pour la peine. Ouais, faut que j'économise mes flèches. Et on peut le faire comme ça. J'ai cru entendre une autre bichette. J'ai halluciné. Ou c'est la même? Ça crie pas loin. Ouais, Miss Land est sorti aujourd'hui, comme ils disent. De toute façon, c'est toujours quand on veut quelque chose que tu ne l'as pas. Donc, on va aller déposer nos trucs. Puis en revenant, on va en trouver des bichettes, vous allez voir. Histoire de payer un petit peu notre stuff. Parce que pour l'instant, je suis quand même un peu limite en stuff, là. J'ai entendu un couiner, mais je le vois pas. Enfin, je la vois pas. Est-ce que ce sont les bichettes? Bichettes. Je l'entends. Où est-ce qu'elle est? Ah, j'en ai vu une là. Quoi? Ah, j'ai plus les stams. Évidemment. Comment elle a évité ma flèche? Pas de bol, hein. Bon, ça va, j'en ai encore pas mal. Bon bah pas de bol. C'est pas grave. Hein. Okay. Oui, en plus il me faut pas mal de trophées pour faire une un brise-serre. Je crois que c'est 5 qu'il m'en faut. Je sais plus combien j'en ai pour le moment. Regardez là-bas, il y en a. Bon, on va tirer de loin. Et d'une. Oups. Et de deux. J'ai faim de quoi? Oh, j'ai faim de toi. Non, c'est autre chose. Ok, merci. Super, encore un trophée. Génial. J'ai vu un petit truc là. Porte rien ça. Ah, il nous le machin. Oh, il est encore plus loin. Ce jeu est quand même bien cool. Hein. Il n'y a pas, à tortiller. C'est un cochon. Cochon, les fait à la main, on va économiser les flèches. Ok. C'est quand même pas un spawner à cochon, ça. Non, c'en est pas un. Faut qu'ils disent chasser ce sanglier, etc. En fait, ça fait deux gros pavés de texte rouge. Et là, il y en avait un gros et un petit. Coucou, Terné! Pardon. Non mais... Des fois je me demande. Voilà. Encore une bichette. Bon du coup... la saga des gueux mise en pause forcément puisque bah, tous les modes sont pas à jour. J'espère qu'ils vont pas trop traîner à mettre à jour tous les modes. Oh purée. Je sais pas si j'aurai le temps de le tuer avant qu'il s'envole. Ah si.
On a eu de la chance. Non mais tout est calculé, tout est calculé. Bonjour, au revoir. C'est bien ce que je me disais, que j'avais vu une bichette. Un peu loin. Hé. Ouais, c'est bien. Bon, t'es sûr? T'es sûr? Bon, bah. Comme vous voulez, les gars, moi, j'ai pas de problème avec ça. Si vous insistez. Allez! Premier boss fait. Donc, du coup, bim. Bim. Activez le pouvoir. Ouh! Ouh! Le potin! Ton jeu qui est trop fort. Salut, Marc 60. Ah bah très bien, si mes vidéos t'ont bien aidé pour le démarrage, c'est super. Alors, le pouvoir des tirs, gna gna gna, explorer le, tout le tralala, c'est bien. Combien j'en ai des pots? J'en ai 8, on va pouvoir augmenter un petit peu mon machin. Idéal, ça serait de trouver un troll. Il faudrait que j'augmente mon arc, hein. Par contre, à moins que je me fasse un arc de bois noble. Ça pourrait valoir... En vrai, ça pourrait vraiment valoir le coup. Pour faire un arc de bois noble avant l'heure, en fait, il faut que je m'amuse... entre guillemets, à dégommer un arbre et puis... Je l'aurai ou pas? Elle va faire demi-tour ou pas? Non, elle n'a pas fait demi-tour. Vilaine. Oh, la vilaine. Oh, elle a fui la biche... Le problème, c'est qu'au début du jeu, quand t'as pas beaucoup de compétences à l'arc, et ben, pour le temps de, que l'arc se bande, c'est très long. Ah, purée. Alors là, c'est de ma faute, j'ai pas tiré assez haut. Enfin, ça, le problème, c'est quand tu passes d'un perso à l'autre, où ton arc, il se bande très vite, et puis il tire bien droit, que après tu relances une partie, et c'est pas le cas, évidemment. Tiens, je me rappelle plus de ce petit baraque là. Rien dedans. Rien, à part du bois gratuit. Ah, il y a du bois gratuit. Attendez, on va faire ça. Il me faut 10, ça. Ouais, les Mistlands sont là. Ah, tu t'es levé il y a 10 minutes, ok. Donc du coup, en attendant, Alps a fermé le serveur, puisque de toute façon, on peut pas y aller. Donc du coup, j'ai redémarré une partie vite fait. Ah, écoutez la musique. Vous entendez la musique? Et là, c'est en fait, c'est une nouvelle musique. Maintenant, quand vous rentrez dans des nouveaux... dans des bâtiments... Et ben ça change, toute la musique change. C'est sympa. Donc je pense que ça se trouve, il y a d'autres petites nouveautés qu'on ne sait pas. Donc c'est intéressant, du coup, de redémarrer une partie à zéro, vraiment, pour aller redécouvrir une map. Donc quand on connaît bien le jeu... Alors là, je ferai une rediff sur YouTube de ça. J'avancerai aussi un petit peu de mon côté de temps en temps. Et... régulièrement, quand ça sera intéressant, je vous mettrai des mises à jour. Enfin, je ferai des petites vidéos pour vous montrer où est-ce que j'en suis dans cette partie. Et puis, bah, en attendant que les mods apparaissent. Donc, du coup, on va se la jouer comme ça, tranquillou. Ouais. On va se la jouer tranquillou comme ça. J'en ai des trophées, ouais, j'en ai deux. Je crois que je vais les avoir, je vais avoir mon brisser, hein, je pense. Hein. J'ai entendu de l'autre côté, lui. Bizarre. Mon casque est bien à l'endroit. 18h du matin, ouais. Vous ne vous sentez plus reposé. Oh purée, au début... Et en plus, j'ai un petit creux, disons. J'ai mangé tout mon miel. Bon, deux ruches, ça va aller.
normalement, c'est ce qu'il faut pour pouvoir tenir jusqu'à ce qu'on retourne chez soi. Tiens, Bichette. Bichette, sanglier aussi là, mais Bichette d'abord. Très légèrement. Ah, mince, j'allais dire très légèrement à gauche, j'ai bougé ma main. Parce que le vent influe sur les flèches. Voilà. D'accord. Ouais, c'est bien. Une petite clonique. Encore un trophée, parfait. Non, vous verrez là, j'aurai pas le temps, je pense. Ah, de peu. Ah, crâne de bique. Je te jure. Il est où l'autre cochon? Ah bah. Eh bah, mon cochon. Coucou, Eva. T'as une partie en cours? Ah, écoute, je sais pas. Je pense qu'ils ont quand même prévu le coup, à mon avis. Hein. Si vous n'avez pas trop exploré, ce qu'il faut, c'est pas avoir exploré déjà les Mistland. Sinon, c'est sûr que ça va bugger. Par contre, si vous n'avez pas exploré, bah, normalement, il y a des chances. Si, enfin, je veux dire, Iron Gat, il s'applique vraiment bien à faire des mises à jour vraiment sympas et tout ça. Donc, du coup, il s'applique. Donc, je pense qu'ils ont quand même prévu le coup, à mon avis. Hein. Ils sont sérieux quand tu vois la qualité du jeu qu'ils ont sorti. Ah, au-dessus, non, c'est pas possible. C'est la une étoile de tout à l'heure. Bon, tant pis. Ouais. Je serai magnanime, je te laisserai donc la vie sauve. Voilà. Les terres brumeuses, c'est les Mistland, oui. Exactement. En fait, j'ai besoin de peau pour upgrader mon stuff. C'est pour ça qu'il me faut quand même des peaux au début. Hop. C'est quoi ça là-bas? C'est un cochon? Ouais. Ouais. On va rentrer gentiment. De toute façon, les cochons, c'est pareil. Hein. Je vais avoir besoin des pots aussi. Oh. Pour upgrader les boucliers et machin et tout ça, il va m'en falloir. J'avais cru entendre des bichettes là par là, mais. Ouais, est-ce qu'ils sont bêtes ces bestiaux? Ouais, ouais. Oui, tu verras. Il m'a dit. Bon, j'aime bien qu'il s'étire à côté là. Je sais pas ce qu'il a, mais depuis qu'il fait froid. Le mien, il veut plus sortir, ou très peu. En fait, il met son museau dehors, tu sais, puis il dit « Ah, mais ça caille !» Il se rend compte, t'sais, que ça caille. Je te jure. Super. Super. Voilà. Du coup, on va... Ah, oh, bah tiens, bah, il pleut. Génial. On va pouvoir aplatir un peu le terrain. Péter ce truc là. Ok. Je regarde pour que ça soit à peu près plat. Ok, c'est pas mal.
hélicoptère chez moi. C'est fou, lui. Je te jure. Alors, du coup, on remet un petit bout de parquet à cet endroit-là. Bim. Alors, je voulais agrandir la maison. Attendez, ça dépend du nombre de coffres. Je vais avoir 7 coffres. Ok, il va falloir que je mette... je mettrai bien la table là-bas. La forge... Attends, si je mets les coffres là... Bon, le lit, on va le casser. Bon, déjà, quelle heure il est? Ça dépend quelle heure il est dans le jeu. Ah ben, j'en sais... On ne sait pas. On ne sait pas. Bon, l'eau ne monte pas jusqu'à moi. Déjà, c'est la bonne nouvelle. Ok. Peut-être par là, ça me paraît assez legit. Ouais, c'est bien ça. Là, on va agrandir ici, je reste là. On va aussi agrandir de l'autre côté. Un petit peu. Peut-être monter un peu le terrain. Hein. Oh, vache. Pas autant quand même. Voilà, c'est bien. Ah, la table de fabrication est trop loin. Crotte. Ouais. Je vais aller plus loin comme ça, là. Je te jure. Bim. Bah, très bien. Porte d'entrée. Je pense qu'on va la faire là. Petite porte. Peut-être plutôt dans ce sens-là. Ou dans l'autre sens, peu importe. Comme ça. Bim. Bim. Et bim, parfait. Le toit. Toto, mon toit. Comme ça, c'est bien. Là, pour, je vais faire comme j'avais fait sur mon petit monde solo hardcore. On va mettre les cheminées. On va mettre les cheminées en extérieur. Comme ça, ça laisse toute la place. Parce que les vrais, salut Trumping Pony, ça va bien. Les vrais. Comment dire, les vraies maisons vikings, hein, les feux étaient au centre. Et puis, du coup, bah, ça faisait de la chaleur partout. Bon, là, on va faire un, petit mélange. Alors, j'ai combien en bois? Pas beaucoup. Vous avez un petit creux? Ouais, un petit creux. Les cheminées, en vrai, on va les faire... je regarde. La fenêtre est là. Souvent, j'aime bien centrer. Les cheminées, il n'y a pas de raison particulière, mais j'aime bien. Là, si je rentre ici, je pourrais mettre ça, les coffres en face. La forge, on pourra la mettre par là-bas. Ouais, je pense qu'on va mettre fabrication, on va mettre ça ici. Attendez que je réfléchisse. J'ouvre. On va mettre ça là, ça va être bien. Ok. Alors.
prend ça. On prend ça. Évidemment, on voit pas grand chose hein, pour le moment. Forcément. C'est normal, on est normal. Ça, on va le mettre ici. Couette. Ça, je le mettrai bien juste derrière. Comme ça. On a bien table level 3, c'est parfait. Très bien. Alors les cheminées, elles vont être, on a dit là. Donc du coup, on va faire construction. On va remettre des toits comme ça. Ok. Très bien. Là, on va mettre les toits en quinconce. On va se faire une petite maison gentille. Comme ça. Voilà, on va en mettre un avant. Construire la nuit, c'est pas top. Hein. Surtout quand il flotte. Mais bon. C'est histoire de se faire un petit abri tranquillou. Voilà, comme ça, on a une petite fenêtre, là. Oh, c'est bien. Ok. Bon, pour l'instant, ça va aller. Donc, je vais avoir mes feux qui vont être ici. Donc, du coup, on va faire 5. Je les ferme complètement ou pas? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est bizarre parce que c'est un agri, donc je suis quand même pas à côté de la forêt noire collée, hein. Attendez, elle est là, la forêt noire. Ouais, bon, allez, d'accord. 5. Alors, du coup, là, on va mettre un petit contour. Il manque quelque chose. Je parie que j'ai plus de bois. Oh, il va falloir refaire tous les trucs. Ah bah si, du bois, j'en ai. Hé hé, c'est pépère. Oh, merci madame. Bon, ça on ferme ici. Une petite hauteur supplémentaire. Genre là. Ça fera bien l'affaire. Ok, comme ça. Sinon il comprend pas, j'ai un petit creux. Donc on va prendre ça ici. C'était pas le bon qu'il fallait que je mange. Prête. Allez. Pour protéger notre feu. Parce que si le feu est mouillé, ça marche pas bien. On récupère ça. On récupère tout ça. Je te jure, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Alors. Fabrication du feu. On l'a. Quoique le deuxième, j'étais pas obligé de le mettre tout de suite, mais. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi il veut pas ça fait bon. Bizarre ça. C'est bien quand même. Donc là on a du feu. On va remettre tout de suite nos trucs pour les faire cuire. Pour la cuisson des machins. Parce qu'on va en avoir besoin assez vite. On va mettre. Voilà, ça c'est bien. Combien il me reste de bois? Il m'en reste 9. Ah, crotte de bique. Ouais, tu m'étonnes, je prends une clip nu. Coucou la malfonce. Coucou à ceux qui sont arrivés, hein, bien sûr. Hein. Bastounet, etc. etc. Bienvenue à tous. Vous avez un petit cru. Du miel. C'est bon, mangez-en. Donc il me faut
un de bois pour pouvoir faire un lit. 4 un petit une petite maison. Bon, évidemment là il manque des supports hein, mais pas grave, on va les mettre après. Alors meubles, bon pour l'instant on va se mettre un lit, peu importe, au début hein, c'est pas très grave. Si je le mets là, est-ce qu'il va considérer que c'est trop loin du feu? Ah non, ça va. Très bien. Oh bah, très bien. Et voilà. C'est très le dodo. Ah, crotte. Ah, attendez. J'arrive tout de suite. Bon, je vais me mettre quand même en pause. Bonjour, bonjour. Paf. Je me dépêche. J'ai du café qui est chaud. J'arrive. Je vais le chercher, mais tout de suite, je me dépêche. Ça ira. Il n'était pas si chaud que ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Tout ça, c'est fait. On est pas mal. Alors, par contre, j'ai besoin de pas mal de bois. Parce que les coffres... En fait, les coffres, il faut que je les replace normalement. Alors, on va faire bim. On va prendre tout ça. Bim. On va prendre tout ça. Bon, je suis plein et en plus je suis encombré, trop lourd. Alors quand je vais arriver, mes coffres en fait je vais les mettre ici, donc bien rangé. Donc 1 2 3 4 5 et 7. Parfait. Pourquoi? Parce que ici, il y a du bois. On va prendre tout le matos. Hein. Bon, j'aurais dû me vider avant. Bon, c'est pas grave. Alors là, il y a de la pierre, mais bon, ça c'est de la pierre spéciale, mais c'en est quand même. Donc on va les mettre ici. En troisième, c'est toujours la résine. Ici, je vais mettre tout ce qui est yeux de nain gris, ça plus les plumes. Voilà. Ici, je mets toujours les pots. Non, les pots. Ici, là, ça va être les trophées. Ok. Et en dernier, mon précieux, que je n'ai pas. C'est pas grave. J'ai plus de précieux. Boîte, faire tout ça, les cailloux. Je vais mettre tout de suite comme ça, ça sera fait. Bim. Alors le bois comme ça. Ça va là. Il m'en reste pour. Alors là, je vais avoir les machins. Donc les coffres de. Les trucs de cuisine, on va les mettre plutôt comme ça. Tout ce qui va être cuisine, viande et machin. Alors ça, ça va être la viande. Ou les autres trucs, et ceux-là on va les mettre comme ça. Voilà. La viande, ça sera là. Et ici, ça sera tout ce qui sera fraises et compagnie. Et compagnie. Voilà. Je range toujours de la même façon depuis que je joue à Valheim. Comme ça, en fait, je me retrouve tout de suite. J'ai pas besoin de mettre des panneaux ni quoi ni caisse. Attends, on va pas s'enquiquiner, on va faire. On prend tout. Tout ne rentre pas. C'est pas grave. Ok. Alors. Viande, viande, viande. Donc ici, je vais avoir les fraises et compagnie, les trucs. J'ai pas mis toute la viande d'ailleurs. Tac. C'est des framboises, hein. Je sais que c'est des framboises.
Ok. Alors, mon précieux. Mon précieux, ça va là. Le bois, tiens, d'ailleurs, faut que je replace un lit. Alors, où est-ce que je vais le mettre, le lit? Là, j'aurai ma forge plus tard. Le lit, en vrai, je le vois bien. Voilà. Je pense pas qu'il va m'enquiquiner parce que c'est devant la fenêtre. Voilà, il est rapin. Donc, c'est très bien. On est bien, on est bien. Oh, on est super bien, les amis. Combien j'en ai? Oh, j'en ai plein en plus des trucs. Vous savez pas quoi? Je vais pouvoir me faire mon brise-serre tout de suite. Ça, c'est super. Alors, paf. Paf. Ça, c'est pour ça que j'ai coupé du bois tout à l'heure. J'en répare tout. Et on se fabrique un brise-serre. Oh, que ça va être bien utile, un brise-serre, vous allez voir. Salut, Pony. Donc du coup, j'ai un brise-serre que je mets toujours comme ça. Marquez ça, j'en ai plus besoin de cette hache-là. Je vais mettre tout ce qui va être à côté. On va ramasser ça. J'en ai plus besoin. Là, il me reste encore un peu de bois. Ouais, c'est pas mal. Ça, je vais le mettre là. Et tous les trucs perso, normalement, je me fais un truc, un coffre. Un coffre pour le perso, tout ce qui est perso qui va là. Alors tout ce qui est perso, c'est-à-dire ce que je me sers plus, c'est-à-dire ça, non pas ça, oh, n'importe quoi. Et ça. Quel dommage que je puisse pas les recycler, j'aurais récupéré des pots. Ça aurait été bien. Alors on peut améliorer. Ouais, le marteau, on s'en fiche un peu. Ah non, c'est du... Il me faut... C'est pas très important, ce qui va être plus... Oh, quoique... Couteau en silex. Oh, c'est couteau en silex, très important. Alors déjà, améliorer. Pourquoi je peux... Le couteau. Très bien. Améliorer l'arc. Il me faut des pots. Ok. Donc, est-ce qu'on l'améliore ou est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on s'embête à faire un arc? L'Espagne a été éliminée par le Maroc? Non. Incroyable. Ah bah bien. Incroyable. Est-ce qu'on s'embête à faire un arc de bois noble assez vite? Vous me direz, le premier truc que je vais me faire, ça va être une hache. Ou allez, non, si on veut aller vite, je vais pas passer 300 ans à faire le... à casser du bois précieux autrement. Donc on va se le faire autrement. Alors du coup, pas pour se faire ça vite fait... Il faudrait quand même que j'améliore. Mon arc, je vais l'améliorer. Ok. Le bouclier. Alors là, il est level 2. Il faudra que je le monte. Je vais améliorer le bouclier aussi. Bouclier 3, 3 et l'arc. Non, je peux plus l'améliorer. Pourquoi? Parce qu'il manque des pots de machin. Ouais, c'est pas très grave. Ouais, et puis il m'en manque vraiment pas beaucoup. Y a pas des petits cochons hein, qui traînent pas loin? Non. Si je finissais mon toit aussi vite fait, ça serait peut-être pas mal. Même si c'est pas obligatoire, mais ouais, j'ai pas envie que mes affaires soient mouillées. Bon, pour l'instant, on passe sur les fioritures. Hein. Ce que j'appelle sur les fioritures, c'est mettre des petites croix, des petits endroits, machin, pour que la maison soit magnifique. C'est pas le plus important tout de suite, même si on va le faire, on le fera. Hein. On le fera. Mais j'ai pas beaucoup de bois, donc pour l'instant, je pense qu'on va se le garder. On va se le garder, on a d'autres priorités pour le moment. Première priorité, vider tout ce qu'on a sur nous. Incroyable. Donc, les trophées. Premier, juste le brise-serre, je vais regarder qu'est-ce que ça coûte.
Du bois rouge, de machin, et 10 des nonos, on va en avoir plein en vrai. La première chambre funéraire, on va s'en faire pas mal des nonos. Ok. Ça, ça va là. Et la résine à côté. Oh purée. Nonos, j'en ai combien? J'en ai 6. En rare. Alors attendez. Là, dans ce cas-là, ça vaut le coup d'améliorer. Genre le pantalon, j'aurai 2 d'armure supplémentaires, ce qui sera pas du luxe. Voilà, je suis level 2. 6 d'armure, c'est pas extraordinaire, mais c'est mieux que rien. Enfin, plus que ça même, puisque j'ai encore ça, j'ai 9 d'armure, 10 d'armure. Ouais, c'est pas mal. C'est pas folichon, hein. C'est un bon début. Ok. Alors, on a les pioches, on a tout ce qu'il faut. On va faire les chambres funéraires en premier, les amis. Comme ça, on pourra sup. Coucou, avec ici. Oh, c'est relou, c'est incroyable. Oh, voilà, les Espagnols, ils doivent avoir les boules. Alors, chambre funéraire, on en a là et on en a là. Je vais, on va, là parce que j'ai la flemme de traverser la rivière, on va commencer par celle qui est là-bas. Allez, c'est parti mon kiki. Tant qu'on y est, hein. Si on croise des bichettes et des cochons. Combien j'en ai de ça? Ouais, c'est bon, tout va bien. J'avais cru entendre une bichette par là-bas, mais... Des fois, on croit entendre des trucs. Hein. Bon, on est pas mal. Pour l'instant, tout se passe bien. J'ai vraiment pas beaucoup de stab. Ça, c'est quand même mon kiki, non? C'est marrant qu'on ait un bout de forêt noire juste là. Je sais pas s'il y a grand-chose ici. Un tout petit bout de forêt noire. Enfin petit, pas si. Si si petit, il est petit. Puis il n'y a que là, il aurait pu mettre du cuivre. Hein. C'est histoire qu'il y ait quelques dingueries pour saouler, quoi. C'est ça? Surtout lui là. Lui, c'est lui qui fait le. Qui nous enquiquine le plus. Regardez-moi ce troupeau là. Ah bah j'ai le brisser. Ça, ils aiment pas. Je prends de la hauteur. Oh, puis là, un gros. Ok, bon, alors, attendez, ça fait un petit peu beaucoup. Puis, il y a des squelettes qui s'y mettent. C'est marrant qu'il y ait des squelettes par là. Oh, puis il y a le gros qui arrive. Là, ça fait un petit peu trop pour moi. Il y en a un petit peu trop. Par contre, je pense qu'il doit y avoir une chambre funéraire. Ok. Alors, on va essayer de pas mourir quand même. Ah, j'ai un peu trop de monde là. À mon goût. À moins qu'il y en ait un qui me lâche. Ah, ils vont pas me lâcher. Hein. Ils vont pas me ficher la paix. Évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Je sais pas d'où ils venaient les squelettes. Attends, on va s'occuper de ça déjà d'entrée. Oh ouais, ouais, les trolls, ils galopent, les bétails. Allez. Ça, c'est bien, on prend. Je regarde que tout est fermé, histoire de pas avoir
un bestiau qui m'arrive dans le dos. On va monter nos compétences à l'arc. On récupère des champignons. Ils sont pas mal les champignons jaunes, ça vaut pas le miel, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un moment dans le jeu, on va pouvoir faire des potions avec. Tiens, on a un briser, on peut s'en servir, hein. C'est marrant. J'aime bien taper les bestiaux à travers les portes. Voilà, on vous apprendra la vie. Pour l'instant, c'est quoi cette chambre funéraire, quoi? Allô? Ah, quand même, un coffre! Je croyais plus. Je te jure. Oh, il y a du monde. C'est ce qui s'appelle claquer la porte au nez. Bah, je sais pas si c'était obligatoire, mais je veux pas prendre le risque. Donc en vrai, voilà quoi. Si je veux avancer, faut vraiment que j'ai des gommes comme ça. Comme il y a un spawner. Combien j'en ai des machins? J'en ai que deux. Crotte de bique. Bon bah ça on l'a déjà trouvé. Il m'en faut minimum 5 et l'idéal étant au moins 10. Enfin étant 10, mais il m'en faut au moins 5. On en a droit. Crotte, 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 crotte. Et la chambre funéraire a déjà terminé. Oh, c'est très la déception. Bon, bon bah, bon bah voilà, voilà, chambre funéraire. Alors celle-là, elle est faite. Bim. Donc là, faut qu'on aille en face. Par contre, là, s'il y a le grand truc à traverser, ça va être la misère. Alors, prêt à courir. Ouais, c'est parti. Pouvoir de tir. Vaut mieux le déclencher avant. Nos. Il est parti, le gros Roger, là. Il y a de la neige là. Petite montagne ça. Oh. Parce que j'aime pas quand je suis coincé comme ça. Ouais, mais petite montagne, ça suffit pour avoir un loup. Oh purée, la misère. Pour monter en face. Hop, il est là le gros là. Combien j'ai de flèches? Mon arc, c'est juste un level 2. Je vais mettre 300 ans à le tuer, mais par contre. J'ai quand même 50 flèches. Allez. Trop court. Qu'est-ce qu'il me faut que je mange ça? Ouais, il est loin. Touché. Perdu. Oh, tiens, des baies. J'en avais pas eu encore. Faut que je trouve un endroit qui l'enquiquine bien. Oh, regardez. Ça va bien l'énerver. C'est dommage qu'il arrive à passer.
Oh wesh, il pète le rocher, lui. Carrément. Ah, mais s'il y a les autres qui s'en mêlent. Un troll, c'est ça qu'il faut faire, faut trouver un endroit qui l'embête un peu. Oh, crotte, je tire dans le rocher. Il est en train de tout péter, lui. Oh, il a pété. Pété carrément le. S'il pouvait péter le. Je suis pas assez fort pour faire ça, mais. Normalement, on peut le faire taper là-dessus. Sur le cuivre. Par contre, si je m'en prends une, je suis pas bien. Faut éviter les troncs. Jamais tu meurs, toi. Ah, quand même. Je te jure. Oh, vous avez vu? Qu'est-ce qu'il m'a proposé, là? Nouvelle construction, un truc que j'avais pas vu encore. Un truc que j'ai pas vu pour l'instant. Là, ça m'a proposé une nouvelle construction, je sais plus quoi. Ça, j'en ai trop. Voilà. Coucou, Tuck. À son pépère. Comment ça va, mon Tuck? Ça me fait plaisir. Et coucou, monsieur Adèle, aussi. Et merci pour vos abonnements. Alors, monsieur Toc, level 3, voilà. Pour son 10e mois, merci beaucoup. Je te fais des énormes bisous. Coucou, monsieur Adèle. Voilà. T'as vu, moi, j'ai pas les mêmes techniques que toi. du tout. Mais bon, on se débrouille comme on peut. J'ai ce que je voulais. Ouais. Là, Cône de Pain, il m'a proposé un nouveau truc. J'ai pas vu qu'est-ce que c'était. Mais de toute façon j'ai plus de place. Alors là par contre j'ai du cuivre et que j'avais pas vu que j'avais. Donc ça c'est plutôt bien. Là c'est cuivre. Ok. Oh, bah, ça c'est pas mal. Bon on va rentrer à Jbarak. Je pense que j'ai rien d'important qui est là. Du bois, machin, est-ce que j'ai de la place pour le mettre quelque part? Ou alors je vire le cône de pain, ça s'en fiche. Ouais. Je préfère du bois comme ça. Eh ben, les mistands viennent de sortir. Donc du coup, pour être sûr de ne pas avoir de problème, j'ai redémarré une nouvelle partie. Si j'y arrive en Odesse, c'est très bien. Je pense que je peux y arriver à faire en Odesse. On verra. Oh, une brute. Ouais. Allez. Allez. Oh, purée. Aïe. Plus de repos, plus de stam. Oh.
Ouais, ça sent l'été, non? Voilà, plutôt c'est quand même bien. Trophée de dinguerie, on s'en fiche. Il m'a pas filé de graines de perlimpinpin, lui. Oh ouais, c'est pas gentil. Mince. Bon, tout ça, c'est... Je suis combien en poids? Bah pourtant... ah oui, mais... ah oui, d'accord. Bon, vous me direz, les cailloux, ils vont pas me servir des masses au début. Par contre, 33... J'ai pas ramassé l'autre bois? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Je comprends rien. On se barre. Allez, on va rentrer à la maison, on va se vider, là, parce que là, c'est trop le brin. Tiens. C'est bon, ça. Mangez-en. Et on va retourner là. Oui, donc... Ouais, j'aurais pu me refaire un petit feu, c'est vrai. Mais j'ai la maison qui est pas très loin, enfin, mon début de maison. J'ai démarré cet après-midi, hein, donc là, je suis vraiment au début. J'ai fait tir vite fait. Je me suis fait un brise-serre. Je suis pas level 2 partout, mais c'est pas grave. Je me suis fait une petite baraque vite fait. Marqué, j'ai pas traîné, hein, mine de rien. Mais bon, c'est bien, c'est quand on a l'habitude... Ah oui, bon, la construction. Ah bah là, quand tu vas voir ma maison, tu vas rigoler. J'ai fait une petite maison vite fait, bien fait. À l'arrache, petite maison de survie. Je pense qu'il y en a un qui en veut un coup. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais lui, il va se saouler, hein, il va se saouler. Voilà. Ouais, ouais, bah, c'est ça, mon gars, aussi. Hein. Tu saoules, bah, voilà. C'est ça. Je te jure. Il n'y a plus de respect. Je sais pas si vous avez vu la petite série qu'avait fait Link et Terracide sur Valheim. Mais à un moment, la baraque qu'ils avaient fait, c'était vraiment n'importe nawak. Ah, c'était n'importe quoi leur maison. J'avais trop rigolé. Et merci Mandrin pour tes 100 bits, c'est trop gentil. Donc du coup, bah, on avait lancé une série, la saga des gueux, mais comme c'est en modé, bah, ça marche plus pour le moment. Donc on est obligé de la mettre en pause, hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Bah, tu n'as pas qu'en vrai, c'est reculé pour mieux sauter. Hein. Ah, par contre, je sais pas s'ils ont... Ah, quoi que Jenny, elle a beaucoup... ils ont beaucoup exploré. Du coup, je sais pas si... je sais pas si ça va gêner pour les Mistlands ou quoi. Bon, on verra. On verra, sera la surprise du chef. Ah bah non, mais bah, attendez. 5. Fabrication. Oh, qu'est-ce que c'est que j'ai pas EP? C'est la capuche. Armure 6. Tout de suite, ça fait du bien. On va commencer à se mettre en schtroumpf. Parce que ma capuche, oui, elle est que level 1, celle-là, elle est créée. Comme ça, on va augmenter un petit peu son armure. En fait, l'armure de troll, elle est vraiment pas mal. Hein, en vrai. Ok. Vous trouvez pas que ça manque de loupiote un petit peu là-dedans, moi, je dis. Hein. Quand même. On va s'en mettre une petite... petite loupiote par là, quand même. Bon, ça, ça sera pour plus tard, mais... Bon, on mettra notre forge par ici, ça ira bien. Allez, un petit peu de place là-dedans. Alors déjà, dans le coffre perso, on va remettre ça. Alors, mon précieux, mon précieux, mon précieux, mon précieux, mon précieux... les têtes, j'en avais déjà mis une, mais pas tout. Les peaux, les peaux, les peaux. J'en avais pas déjà mis. Bah non. Ok. Ah oui, j'en ai que 3. Crotte. Crotte de bitch. Là-dedans, c'est de la résine. Le bois, on va le mettre tout de suite ici. Des pierres, j'en ai pas, sauf qu'on va mettre ça
Là, en attendant de pouvoir faire cuire le matos, bien sûr. Nourriture, on va mettre ça, ça et ça. C'est très bien, Madame Chombier. Alors, du coup, on va aller voir les ruches. Qu'est-ce qu'elles ont donné? Merci, Madame. Merci, Madame. Paf. Voilà. Bon, c'est vraiment le tout début d'aventure. J'ai même pas fini la maison. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ouais, j'ai pas, j'en ai pas tellement. De toute façon, on va en ramasser au fur et à mesure. Non, c'est la viande. C'est là. Donc là, on a 5, 3, 1. Ça fait un peu juste. On va faire 6 comme ça et on va faire cuire. Alors, 6 comme ça. 4 et 2. 4 et 2 ? 6. Et 4 comme ça. Bim. Allez, c'est parti, mon kiki. Tac, 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 tac. Ça va être bon. Oh, hé. Vous sentez cette bonne odeur de gibier qui cuit. Ça va, Mandrin? Salut, Actarus. Et bienvenue à ceux qui sont arrivés. Donc, alors, évidemment, je ferai une petite rediff sur YouTube parce que j'ai fait un petit départ bien cool, bien tranquille et qui pourrait servir à beaucoup de gens qui connaissent pas bien le jeu. Même s'il y a quand même pas mal de gens maintenant qui connaissent quand même bien le jeu. Oh, des flèches, j'en ai plus des masses, dis donc. Ah bah oui, bah, c'est l'autre qui m'a tout mangé. Alors, moi, je vais... Alors, attendez, ça dépend combien j'ai de machin. Ouais, des plumes, j'en ai plein. Et ça, j'en ai pas plein. Moi, je suis pas comme Tuck, moi. Tuck, Tuck, en vrai, à l'âge de... À l'âge de... Enfin, à la fin, vers la fin du jeu, il est toujours aux flèches en bois. Bon, après, chacun sa manière de faire. Mais quand même, hein, des bonnes flèches aiguilles, c'est quand même sympa, quoi. Ah, du silex. J'attendais la réaction. Là. Bim, combien j'en ai là? 5, très bien. C'est bien une capuche comme ça, hein. Ça tient chaud. Ok. Alors, mission. Deuxième machin. Quoique, je devrais me faire une porte ici, en vrai. Ça va, Gabros? Ouais, ouais, c'est bien, un petit... Ah oui, mais non, alors, attendez. Si à chaque fois, je suis obligé de faire le tour, ça va me saouler. Où est-ce que j'ai dit que je faisais le... La forge, on la fera par là. Là, on mettra d'autres trucs. Oui, c'est vrai. Il n'y avait pas de toit à un moment donné. Donc, c'est normal que ça soit un peu abîmé, tout ça, dis donc. Ok. Alors, 5. J'ai un tout petit peu de bois. On va en profiter. Si je me fais un chaud escalier comme ça. Ouais, comme ça, moi, je peux sauter. C'est pas gênant. Une petite porte à cet endroit-là. Il manque un petit peu de bois, c'est ça. Quand même, qu'on améliore un tout petit peu les lieux. Hein, dis donc. Donc ça coûte cher. Hein. Bon, on va mettre au moins une croix et puis. Alors. Ça va être très aéré le truc. Hein. Ça coûte combien ça, 2? Ouais, allez. On va faire les.
Ça fera quand même un petit peu plus propre, on va dire. Oh, j'en ai déjà plus. Non, bon. Qu'est-ce que c'est que ce brin? J'avais juste besoin de 3-4 bouts, là. Voilà. Oh, c'est pareil, j'ai pas fait les bâtons. Ça fait tellement chelou. Combien j'en ai? 11? Ouais. Normalement, j'en ai là aussi, des trucs, mais... Allez, allez, feignant, là. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Mais c'est trop bizarre, ça. Ouais. Oh, il a eu du mal, là. Mais tu es fou, lui. Ouais. On l'a joué comme ça. Ouais. Je vais faire un petit truc dans ce style. Pour passer les portes, ça sera joli. Crotte de biche. Tout ça, c'est que j'ai la flemme de couper un arbre en entier. Ou de reprendre dans mon coffre, tout simplement. Fini, oui. Qu'est-ce que c'est que ces bestiaux, hein? Bon, je fais que ce côté-là, on fera l'autre côté plus tard. Bim. Ouais, ça fait un petit décor sympatoche. Et puis là, carrément, un truc comme ça. Voilà. C'est nouveau, ça vient de sortir. Très bien! Ah, un truc important que j'ai oublié. Les amis, très très important. Voilà. Ça donne du confort en plus. C'est tout bête, un meuble. C'est tout bête, mais ça donne un confort supplémentaire et donc quelques précieuses secondes supplémentaires. Coucou Dino, j'espère que ça va bien. Alors, ça c'est fait. Donc, chambre funéraire suivante. Enfin, si, il y a un truc que je voulais regarder aussi. Combien j'ai de pierres? 32. Pas beaucoup. Alors, chambre funéraire. Next, please. On va manger tout de suite un truc comme ça. Pas hésiter, le pouvoir des tirs, on le récupère quand même assez vite. Hein. Donc, n'ayons pas peur. Un trophée de Nyx, super. Ça allait beaucoup mieux avec ça. Hein. Je vais attraper. Ouais, je vais peut-être pas prendre trop le risque de traverser. J'ai pas encore beaucoup de stam. Voilà. Même si on est large, mais bon, je préfère pas prendre de risque. Ouais, ça va, ça va. Je suis content qu'ils aient sorti les Mistland, même s'ils auraient pu attendre un peu plus longtemps. Ah, j'ai parfait de flèche. En plus, à un moment, j'étais parti pour aller pour ramasser du silex pour refaire des flèches. Et j'ai zappé de refaire les flèches. Bon, c'est... Eh, dis donc. Il essaie de me niaquer, là, le bestiau, là. Je vous jure. Alors, on est là. La chambre funéraire est là. Incroyable, ces bêtes, là. Merci, Bastounet. Un tout petit peu trop lettre, mais c'est l'attention qui compte. J'ai combien? J'ai 5 cailloux, très bien.
Champipi, non, pas pour le moment. Je vais entendre des squelettes. Non. Non, ça va. De toute façon, on va en avoir là-bas des squelettes. T'as encore un cochon. Alors on est tout près de la chambre funéraire. Attends. Oh, j'ai cru que c'était... Alors c'est bien... Vraiment, la parade parfaite pour déstabiliser, c'est tellement important. Tellement important dans le jeu. Ouais. Ouais, la lance, elle est bien. Bah d'ailleurs, la Côte d'Azur, comment dire, ma partie même que j'ai faite sur le guide de Valheim que j'ai fait, je joue à la lance au départ. Qu'est-ce que j'aime pas quand il n'y a pas de... Quand il n'y a pas de porte au début, j'aime pas tellement. Vérifie. Hein. Oh les bruits qu'il y a là-dedans. Ouais. Ah super. Allez, putain, putain, minimum. Et on en aura 5 pour pouvoir commencer à faire du charbon. Éventuellement le casser après pour faire cuire nos trucs, mais... Ah, super. Et ben voilà, génial. Bon, l'idéal étant d'en avoir au moins 10. Plus après, pour faire des portails. Évidemment, c'est quand même mieux, mais... Au moins, j'ai les 5 de départ. Ce qui est plutôt cool. Pour l'âge de bronze. Même si je pense qu'on va s'amuser. Je vais faire une hache très vite. Alors, vous savez, quand vous êtes là, regardez. Hop là, au sol. Vous avez souvent, au milieu des salles, vous avez des trucs ici. On peut très facilement passer à côté. Pareil pour les chambres funéraires, hein, moi je vais toujours de gauche à droite. Comme ça je suis sûr de rien louper. Voilà, elle est déjà terminée. Finito, finito. Bon du coup on peut continuer. Alors fais voir où est-ce qu'on en est au poids. 109 sur 300, ouais. Relax, j'ai 6 minutes encore. Tout va bien. J'avais pris des pierres pour faire un feu au cas où, mais en fait pour l'instant ça va. On va explorer un petit peu par là-bas. Tant qu'on n'est pas trop loin. Je regarde la map. J'ai intérêt à faire hop, 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 un petit tour dans ce sens-là. On essaie de longer la forêt noire. Ah, crotte, la bichette. Oh, la vache, on arrive, il y a de la neige tout de suite, là. Oh, bah, crotte. Ce qui m'inquiète, moi, c'est les loups, tout le temps. Là, je me prends un loup, je suis mort. Hein. C'est clair et net. Hein. À moins de le dégommer à l'arc vite fait avant qu'il me saute dessus, mais... On va pas faire trop les kékés. Les kékés hein. Vous avez pas de... Non ? Ils aiment pas le brise-cerf. Hein. En fait, comme ça fait des dégâts de zone... Oh bah attendez, encore mieux. Il y a même des squelettes qui viennent donner un coup de main. Bien.
Ok. Alors ça va les gars, j'ai fait le ménage, puis maintenant vous me saoulez. Bon, d'un autre côté, ça veut dire qu'il y a une chambre funéraire pas loin. Je te jure, aucun respect. Ah, il y en a deux, ils étaient côte à côte. Bon, lui, on va le laisser tranquille. Ok. Voilà, mur précieux, on prend. Si on peut. Ah! J'aurais mieux fait de jeter. Bon, c'est pas grave. Ça, j'en ai pas besoin. Je préfère prendre ça. Et en vrai, ça, j'en ai pas besoin. Puisque j'en ai beaucoup, je préfère prendre ça. On est bon, hein? Oui, on est bon. Ah, très bien. Bichette. Qu'est-ce que c'est embêtant cet inventaire où il n'y a pas de place. Donc via notre sire. Oh merci Mandrin, c'est trop gentil. Tu as offert deux abonnements donc à la Côte d'Azur et à Chazouzou 34, mais merci beaucoup. Ça a l'air facile, mais c'est... Oublie pas que j'ai quand même 2000 heures de jeu. J'ai plus de 2000 heures de jeu sur Valheim. Donc évidemment, ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. Enfin, pas toujours, surtout quand tu démarres. En fait, ce qui est très important à comprendre, c'est la parade. C'est ça. Tu vois, quand l'autre, il va te taper... Ça, c'est un truc... Enfin, s'il a envie de te taper, voilà. Quand il a la main en arrière, hop, tu bloques. Et du coup, il prend beaucoup plus de dégâts quand tu le tapes, en fait. C'est ça, ça c'est une grosse astuce à bien connaître. Oh, regardez, c'est ce type pas mignon, ça, Madame Chambier. Oh, mais... bon, de l'ombre, en vrai... de l'ombre, bof. Ouais. C'est pas... Ça rapporte pas des masses, ça, c'est bien mieux. Je rêve, il y a encore un squelette, là-haut. Il y a un squelette. Mais oui, y'a Joe Pepper. Voilà, quand il est déstabilisé, on leur fait beaucoup plus de mal. Y'a pas de coffre. Crotte. Ça aurait été sympa. Bon d'accord, c'était pas ce que je voulais. Pensez à manger aussi, hein. Très important. Ah, bah non, c'était pas une chambre funéraire, hélas. On y a cru. Chardon, j'ai plus de place. Oh purée. Si, en fait. Que Nyx, j'en ai à la maison. J'en ai pas besoin de beaucoup. On en aura besoin pour faire des potions de poison. Oula. Encore ? Alors lui, par contre, il va saouler le plus. C'est lui qui va saouler le plus. La brute dinguerie, là. Celui qu'il faut éviter d'abord. Et une fois qu'il est tout seul, on peut l'avoir en parant au bouclier, mais sinon... Sinon il fait mal, hein. Lui il peut vraiment nous tuer. Donc il faut reculer, il faut la jouer Sioux. Tourner en rond, voilà. Regarde. Voilà. Et une fois qu'on est bon, on part. On tape, on part. On tape, on part. On tape, on part. Ouh. Oh vache! Attention, hein, s'il m'a déstabilisé. On reprend un peu le stab. La stab, pas le stab. La stab. En plus, je suis plus reposé, mais c'est pas grave. Et voilà, tchou pépère. Et il m'a toujours pas donné de graines de machin. Hein. Non, c'est du pissenlit, des pierres, qu'on s'en fiche un peu. Alors par contre, ce qui est intéressant...
C'est ce qu'on peut trouver là. Voilà, déjà un petit bout de bois précieux supplémentaire, j'en ai deux. Plus une flèche. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On continue un petit peu par là. Je vous jure. Non, il n'est pas modé, il est vanilla celui-là. Et salut Bob le Naze. J'ai entendu des squelettes. Hein. Je suis pas fou. Hein. Ça se bastonne là-bas. Là, je m'en méfie de cela. Attention, on a entendu un squelette. Il n'y aurait pas une petite chambre funéraire pas loin? Bah bien sûr, il y a une chambre funéraire. Oui, parce qu'en fait, le maudit ne marche plus. Puisque ils ont fait une mise à jour. Il y a une mise à jour de Valheim assez importante. Pour les Mistland, d'où l'objectif. Mistland en avant, tout ça. Donc du coup, j'ai relancé une game. Là c'est ouvert et là c'est ouvert, ok. Alors, on va quand même vérifier qu'il n'y a rien qui traîne par là, non c'est bon. Et par là, il n'y a rien qui est ouvert. Là. Les portes sont fermées, il n'y a personne. J'ai horreur de me faire prendre en traître. Ouh, il y a du monde. Voilà, l'intérêt du brise d'os là. Il est maintenant. Le brise-serre, le brise-dos. Oui. En même temps, ça fait aussi brise-dos. Hein. Et bim. Oh, il y en avait encore. Bah non, il y en a du monde là-dedans. Bonjour, monsieur, dame. Ah, mais je suis plus de classe. Ça, j'en veux pas. Je préfère ça. J'ai besoin de tout, là. Ouais, j'ai besoin de tout. Bon, c'est pas grave. On va laisser l'ambre. En vrai, ça vaut pas très cher. 10. Ouais, de toute façon, il aurait fallu que je le fasse avant. Les plumes, c'est relou à avoir, donc je le prends. Bon, dis donc, pas eu beaucoup de cœurs de sortling. On a deux, c'est déjà mieux que rien. D'ailleurs, je l'ai pas noté, cette chambre funéraire. On l'avait pas noté, dis donc. Bah alors. Que je mange bientôt, bah même tout de suite. Ouais, soyons fous. Oh, il m'attendait derrière. Oh, il y en a au moins trois. Pratique, hein. Brissère très pratique. En vrai, le trophée de squelette, on s'en fiche un peu. Tiens, champipi. Qui veut mes champipi, mes champipi, mes champignons? J'ai pas trop vu tout ce qu'il y avait derrière. Il y en a qu'un. Ouais, s'il y en a qu'un. Bim, encore un truc. C'est tout, c'est tout. Ouais, tout le reste, je vais en avoir besoin. Par
que j'aurais presque pu virer les silex, mais pour faire des flèches et tout, c'est quand même bien pratique de les avoir. Même si j'en trouve facilement, mais... Ouais. Ouais. Y'a rien là-dedans. Oh ouais. Bizarre. Bon. Ok. Là, on est bon. Et enfin, terminé. Tout le monde descend. J'ai des cailloux et du bois. Vous voyez, j'ai plus de repos. Donc, ce que je vais faire, 5. Qu'est-ce qui manque? Ah, j'ai pas les 5 cailloux. Ah non, je les ai jetés, les cailloux. Bon, bah, dommage. Sinon, je me serais bien reposé un petit peu pour prendre du repos. Mais je n'ai pas de feu. Oh, pas tout de suite, ouais. On va le trouver, le nouveau biome. Mais on va l'avoir. Comment je fais pour gérer tous mes persos maps entre le modé et le vanilla? Et ben c'est simple. En fait, chaque perso, je lui donne un nom. Et la map porte le nom du perso. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si j'ai un perso qui s'appelle Iron, pour Iron Man, mon pote Iron, hein, mon pote Iron, bien sûr. Et ben la map, je vais l'appeler Iron Map. Donc ça, déjà, je me repère avec les maps et les persos, déjà, je m'y repère bien. Pour les modés, en fait, c'est juste parce que je me rappelle. Et en général, quand t'es en modé, si tu lances le jeu en vanilla, quand t'es en modé, tu vas avoir le bonhomme qui va apparaître tout nu. Voilà. Donc s'il est tout nu, c'est que t'es en partie en modé et t'es en vanilla. Non mais là je vais rentrer à la maison là, ça va être dangereux ici, je vais avoir plein de bestiaux dehors. En plus ça caille. On va ramasser les miettes. C'est vrai, j'aurais des cailloux, mais de toute façon j'avais pas la place pour les prendre, les cailloux. J'ai un autre cire. Oh purée, il m'a pris en traître. Ah, attendez, attendez. Ok, Nonos. Brut dinguerie. Allez, brut dinguerie. Ah, je me suis loupé. Oh, purée. Bon, bah là, on se casse. On va pas prendre de risque. En plus, j'ai plus de bouffe. Là, il m'en met un coup, je suis pas bien. Hein. Il en est où? Oh, bah, il est presque mort. Je récupère un peu de stam. Voilà. Bon, il va peut-être me looter. Non, toujours pas. Mais c'est incroyable qu'il me loot pas ce qu'il faut pour. C'est fou ça. Elle dit que nenni, que nenni. On va passer par là. Ça fait 3 brutes dingueries et j'ai eu aucune graine. Aucune graine, c'est pas juste. Bah, de nuit, c'est un peu craignant ça. Allez, on va rentrer à la maison gentiment. On va éviter tous ces gars-là. C'est un squelette. Je l'ai pas fait ce chambre funéraire là. Bah non. Bah alors. Très bien. Attends, je suis à combien en points? C'est bon, en points, on est bien. M. Donc, tu en avais une autre là. Chambre funéraire. Alors, l'autre, on l'a fait, hein, elle est faite, celle-là. Bim. Bonjour. T'es tout seul dans ton slip, toi? Ok. Ça, c'est marrant. Oh là là, il y a du monde. Ouais, le briseur, ça sert quand même drôlement bien. Hein. Si on veut faire une partie sans mourir, c'est quand même bien top.
Alors, je crois qu'il y en a partout des bestiaux là. Alors, ça, j'irai après. Je le fais dans l'ordre parce que sinon, après, je vais être perdu. Y'a rien au sol là? Normalement, toujours un truc là. C'est pas sympa. Ouais. Bon, les champignons, j'en ai plus besoin. Hein. J'en ai plein. Pff. Plus besoin des champignons. Ouais. Ça, par contre, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bim. Donc, toute l'ambre que j'aurais pu avoir. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. À gauche, toujours à gauche. Bien aimé le moment où on s'est regardé, j'allais dire les yeux dans les yeux, bon, il n'a pas d'œil, mais... Ça lui, il y a un moment de... On se tape ou on se tape pas, ça. Si, les spawners lootent des graines, mais normalement, les... Comment dire, les brutes aussi. Oh, ça par contre... Alors là, ça rigole zéro. Je suis mort suffisamment de fois avec le cadavre rance pour pas faire le cacou. Je crois qu'il est mort. Il est mort. C'est bien ça, son pépère. Très très bien. Très 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 bien. Magnifique. Yes. On en avait déjà ramené à la maison, hein, je crois qu'on a nos 10. Oh génial. Ça c'est vraiment super. Oh super. Alors celle-là. Elle est faite aussi. Alors on a plus qu'à redescendre gentiment à peu près par là parce que sinon la descente est rude. Hein. Ok, donc il faut qu'on descende par là-bas. Pas de bêtises. Eh ben non. Ouais ouais ouais, c'est bien. Ghostbuster. Remarquez, je peux descendre là. Ouais, on peut descendre là. Faut juste y aller tranquille. Là, vous, si je jump, je meurs. Donc, là, faire attention. Bim. Voilà, c'est bien, son pépère. Très bien. Alors là, je suis super content. Parce qu'on va avoir tout ce qu'il faut pour se faire... pour faire cuire. Donc ça va être la bonne nouvelle. Oh, super. En plus, on a... Oh, attendez. J'ai plus de stam. Je me recule un peu pour pas que la bichette nous détecte. Allez, bichette. Bichette, bichette. J'ai eu la peau, c'est tout ce que je voulais. Alors, les cochons. Pareil, j'ai besoin que de la peau. Ok. Des plumes, c'est bon, j'en ai pas mal. Je vais vous laisser tranquille, les moineaux, là. Les mouettes. Coucou, sorcière. Et bonjour à ceux qui sont arrivés, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, imaginez, j'ai commencé tout à l'heure. J'ai commencé cet après-midi. Donc quand on est bien le jeu, on peut quand même aller relativement vite. Hein.
Bon, on va ranger tout d'abord. Je claque la porte au nez. Pourquoi je peux pas monter là? Ah si, quand même. Tu es fou, lui. Ok. Cuisson, bateau, où est-ce qu'on va les mettre? Je pense que j'atterrirai à peu près par là en bateau. À la louche. Donc on va se faire une plateforme gentiment à peu près là. Je dirais. On est tellement fort, on fait descendre les arbres. T'as vu? Un truc de fou, hein. Ok. Par contre, on mettra les machins là-bas. Ouais, en fait, ils vont nous saouler des trucs. Ouais, je peux pas les garder. Non, c'est pas grave. Alors, on va faire déjà ça, ça. J'en ai trop. 32 pierres, j'en aurais pas assez. Faudrait qu'on en prenne un petit peu. Alors, plume. Bim. Nonos. Bim. On commence à être pas mal. Dépôt. Dépôt. Pas beaucoup, hein, par contre. Hein. Tout ce qui est trophée, j'en ai pas pris. Et mon précieux. Précieux, précieux. Non, dans les cailloux. J'avais mis ça. On va pouvoir commencer à en faire cuire un petit peu. Ça, ça va là. En attendant. Et tout le reste, c'est de la nourriture. La nourriture. Elle va là. Voilà, on est pas mal. Alors, on va prendre. Je n'ai qu'un seul de miel. Alors, construction. Ah oui, mais je suis bête. Donc on va se prendre deux petits bouts de bois là. Cinq. On va les mettre. Comme ça. Coucou Stéphie! Tu as reçu ça pour son 31e mois, c'est pas beau ça? Tu vas en Islande, ouais! En vacances! Alors pas tout de suite, hein, bien sûr. Hein. Donc puisque j'ai recommencé une petite aventure spéciale objectif Islande. Est-ce que vous êtes contentes les abeilles? Oh oui, regardez, les abeilles sont heureuses. Oh, ça fait tellement plaisir. Oh. Voilà, donc du coup, on va péter l'arbre, bien sûr. Je casse aussi les souches parce que elles vont m'enquiquiner. Oh, quoique celui-là, je peux le laisser pour le moment. Bon, on va récupérer du bois, hein, c'est bien. Toujours un gars qui vient de saouler. Ça, les empêcheurs de tourner en rond. Je te jure. Ok. Ça, ça va être bien. De toute façon, on dégagera la zone petit à petit. Hein. Mais pour l'instant, on est bien. On est bien comme ça. Ok. J'aurais même pu le faire un petit peu plus haut, le terrain. En vrai, j'aurais pu peut-être le monter comme ça. Voilà. Allez, là on est bon, on va voir de quoi fabriquer. Le bois, je le range. Donc j'en ai besoin de 10. Ok, pierre, je prends tout. Donc on va mettre un truc à charbon. Qui va aller, genre... Attends, on va le mettre plutôt là, comme ça.
ici. Ah, c'est vrai, j'ai rien pioché encore. 15. Évidemment, c'est pas drôle. Il en faut 20. Kukoska ! Ok. Bim. Bim. Et bim. Bon, pour une partie que j'ai commencé cet après-midi, on s'en sort pas trop mal. Bonjour. Oui, c'est bien, t'as un bon pépère. Ok, ça c'est bon. Je vais remettre mes pierres. On va se faire cuire du bois. Ah oui, là, par contre, on a l'unité. Bon, attends. C'est 20. Je crois qu'on peut en mettre 20 max. Si je me rappelle bien, je sais plus, 25. Non, je... Ah, c'était 25. Je joue tellement modé en ce moment que... On sait plus les bons chiffres. Boum. Remarquez, ça je peux déjà le mettre à cuire. Ouais. Bon, j'en aurai au moins un corps à cuire. Alors, 5 de bois, c'est pas le plus urgent. Bon, petite cabane tranquillou. Très bien. Alors, donc, du coup, maintenant il va me falloir. Il va y arriver, lui. Et oui, ça y est, le premier bout d'étain, magnifique, incroyable. Allez. À son pépère. Si, je vais prendre quand même... j'ai 5 de bois, je vais en prendre plus que ça. 10 supplémentaires. Moi, j'aime bien avoir un petit coffre à côté. Donc pour l'instant, tant que j'ai pas fait ma forge, on va faire ça. Je vais mettre dedans ça en attendant. Ah oui, j'ai pas l'heure. Le soleil se couche là-bas. Ouais, il est genre 15h. Allez. Ah oui, c'est vrai. J'ai failli l'oublier, elle. Et d'ailleurs, n'oublie pas tes flèches. Ah bah si, j'en ai 42. Ah bah oui, c'est vrai. J'en ai eu dans les machins. C'est vrai, ça, c'est vrai, ça. Ok. Bim, bim. Combien j'en ai de la viande, 7-7-7-4. Tout va bien. Parfait. Les pots. Les trophées. Viande. Pour améliorer le brise-serre, je sais plus. Amélioration du brise-serre. Tac, 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 tac. Mais je crois que j'ai tout. En vrai, je crois qu'on est... Ah non, j'en ai que deux du pain. Crotte. Bon, c'est pas grave. Allez. On va chercher ce qu'il faut. Ah, sans les modes, ouais. Ah, si, si, j'ai 67, super. Il est trop bien, Valheim. Vraiment, c'est vraiment un jeu qui est vraiment, rapport qualité-prix, vraiment super. Moi, quand je vois le temps que j'ai déjà passé dessus et le temps que je sais que je vais encore y passer, ça va, c'est bien. Ah, crotte, c'était pas la bonne viande. Oh, je me fais souvent avoir. Bon, on va développer un peu plus la nage, là. Quitte à ce qu'on boive une petite tasse, hein, c'est pas grave. Nager 4. Bon, ça va, en fait. Ouais, très bien.
Ah oui, par contre, comme la forêt noire. Ah ouais, la forêt noire, elle n'est pas au bord de l'eau. Ou si, ou peut-être plus loin en fait, puisqu'elle est comme ça. J'ai pas exploré là-bas. Bon, on va aller par là-bas. Je mets mon pouvoir de tir, hein. Ouais. Ça vient la Roger. Un truc à savoir aussi, c'est que dans cette structure-là, on voit pas bien, mais en haut, là, dedans, vous, déjà, vous avez un champignon, mais au-dessus, il y a des coffres. Mais là, pour le voir... Ah non, bah, ce coup-ci, il n'y en a pas. Bon, mais souvent, il y en a. mais là, non. Ah, merci, Mandrin, qui a offert un sub à Aska. Ah, merci beaucoup. J'ai fait un bisou à Stéphia. Ouais, ouais. Et qui en offre aussi un... Si, j'ai 67. Merci beaucoup, Mandrin, c'est adorable. Coucou, Bada. J'espère que tu vas bien. J'ai carrément redémarré une partie. Tiens, les anciens de Valheim, là, tout ce que vous connaissez. J'ai eu la question plusieurs fois, mais pour être sûr, sur les anciennes parties de Valheim, est-ce que on peut avoir, est-ce que les Mistlands, si vous avez regardé, est-ce que les Mistlands apparaissent? Et mon drac a offert un sub à Bada. Oh, mais c'est trop gentil. C'est gentil, hein. Donc, si vous avez la réponse, coucou Jenny. Savoir si seulement dans les secteurs non visités, c'est bien ce que je pensais. Ok. Bon, bah, ça fait que confirmer ce que je pensais. Mais c'est bien d'avoir la confirmation. Vous avez un petit cru. Vous avez un petit creux. Bon, par contre, s'il n'y a pas de forêt noire au bord de l'eau, ça va être embêtant. Oh, si, je vais voir là-bas. Non? Je vais pas quand même faire 50 km. Oh, la vache. Bon, allez. Rigolade. Bonjour, monsieur, dame. C'est pour un sondage. Est-ce que vous croyez que tout est bon dans le cochon? Oui, sauf les dents, d'accord. En chantier! Oh, voilà! Il en manque une! Non, c'est pas grave. Oh, ruche! J'ai du bois. Non, j'ai pas de bois. Charal. Un petit peu là. Ah, super, on en a là-bas. Un petit peu là. Génial. Bim, bim. Bim. Et bim. Voilà, comme ça, on se fait même pas piquer. Incroyable. Elle est pas belle la vitre. Allez, c'est bon. Je vais pas passer mon temps. Allez, messieurs. Voilà. C'est bien. Je vous jure. Incroyable. Regardez-moi cette image. C'est-il pas beau? C'est beau, hein? Oh, j'ai envie de... C'est commence déjà? Pour cacher le truc, c'est... Ctrl F3. Et pour prendre la photo, c'est F12. C'est ça? Je crois, de mémoire. Ouais. Zout. J'ai trouvé belle cette image. Coucouline!
Et coucou à ceux qui sont arrivés. Alors, contrôle F3. Bah, on remet des trucs comme ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien du tout. Attends, les bichettes, elles sont en mode comme ça, tranquille. C'est dingue. Bah alors? Je sais plus quelle maison j'ai faite ou pas. Ok. Ok. Alors, j'ai vu que là-bas... Là-bas... Tout est neuf, tout est sauvage. Non, ça, c'est autre chose. Est-ce que je peux y aller à Pince? Par contre, de nuit, c'est embêtant. Oh oui, regardez, ça passe, là. Putain, encore un spawner à sanglier. Ouais. Spawner à sanglier, pour ceux qui connaissent pas, c'est facile. Vous avez un truc comme ça, des sangliers autour. Mais surtout, ça respawn, donc il suffit de lire. Vous voyez, quand vous avez deux pavés rouges, regardez. Deuxième pavé, cherchez aussi le sanglier qui rôde dans ses lieux. Voilà, donc ici, ça veut dire que ça respawn. Ça veut dire que ça respawn aussi. Donc du coup, moi je fais un point avec S, comme ça je sais qu'il y a, si j'ai besoin de peau de sanglier ou de sanglier, je vais en trouver là. Regardez-moi ça, si c'est mignon. On s'en pépère. C'est ça qu'on voulait, nous. De l'étain. Très bien. Bisous, Lynn. Bonne soirée. Bon courage. Ok. Donc ça, c'est bon. En plus, ils sont sages. Donc ça va. Ils sont gentils. La plus belle des communes. C'est vrai. S'il y a des rochers là, combien j'ai? En poids, 259. Je suis pas trop loin de la maison, en vrai. Mais pour l'instant, j'en ai combien? J'en ai 13 plus 4, 17. Il m'en faudra... C'est du cuivre qu'il faut pour la forge, plus le machin. Il m'en faudra un peu plus. De toute façon, là, je vais pas pouvoir emporter des masses. Je suis déjà à 260 sur 300. Bon, en même temps, je suis pas loin, mais... Jusqu'à où je peux aller. Oh, ça passe là. Je récupère un peu de stam. Bon, ça, faut pas faire ça pendant une tempête, mais... Ça passe quasiment à gué. Trop bien. C'est marrant qu'il y a une baraque juste au bord. Alors, en vrai, j'ai du bois, j'ai de la pierre, j'en ai pas assez de la pierre. J'en ai 5, c'est très bien. Vous entendez la musique qui change? Parce que je suis près d'une structure. C'est marrant ça, c'est nouveau. Alors, il veut pas que je rentre. Sérieux. Juste parce qu'il y a un petit tronc là, je peux pas, même en forçant. Charade.
Oh, il y a du monde. Un peu de monde là. Petit peu de monde. Ce qui m'embête le plus, c'est le chaman là. Lui, il va vraiment saouler. Lui, il va saouler parce qu'il va, il va soigner tout le monde. C'est bien ce que je disais. Il faut vraiment que je m'en occupe en prompts. Ils sont censés avoir peur du feu, hein. Normalement, hein. Regardez, ils soignent tout le monde, là. Non. Il m'a touché de là où j'étais. Bon. Ah, je peux pas rester debout. Hein. Oh, j'ai pas de stam en plus. Ouais, quand même, y a quand même du monde. C'est bizarre qu'ils passent à côté du feu, ils sont censés avoir peur du feu. Ah, puis il y en a deux des machins. Regardez, il y en a deux qui soignent. Ouais, bon, ok, je me casse. Faut pas, on va pas tenter le diable. Deux machins qui soignent, ça fait un peu beaucoup. Là-dedans, il y a une ruche. Je peux pas rentrer. C'est un petit peu embêtant. Ouais, il y a quand même un peu de monde. On peut pas farmer tranquille. Et je peux pas rentrer dans la baraque à moins de... Oh là là. Ah, le poison, quoi, ça saoule. Faut que je récupère un peu de stam pour retraverser. Et un peu de vie aussi, ça serait bien. Il court et court, le furet du bois joli. Bon, on va traverser. On a traversé où? On a traversé là. Avec les pierres. Allez. Oh, cette claque qui m'a mis. Marqué m'a fait avancer plus vite, mais bon. Il va m'en remettre une, hein. Ouais, le... c'est ça qui est embêtant, en fait, c'est ce chaman. Hein. Combien il y en a? Il n'y en a plus qu'un, hein. Évidemment, lui se met devant. Bon, c'est pas drôle. Bon, alors j'y vais au brise-serre, au pire. Le problème, c'est que après, j'ai plus de stam. Bon allez, je vais pas prendre le risque, non, sinon je vais mourir. Et j'ai pas envie de. J'ai pas envie de mourir. Nous reviendrons. L'autre il soigne tout le monde là. Bon, on va déjà faire cuire tout ce qu'on a. Voilà, on va. Et puis il faut que je mange en plus, hein. Ouais, bon, ouais.
Attendez, s'il n'y a plus que déjà, par vengeance. Voilà, déjà. Ça prendra. Non mais, sans blague. Sont fous ces Romains. Ouais, bon, vous savez pas quoi, on va déjà faire cuire ce qu'on a, on va s'occuper du cuivre. Ce sera déjà pas mal. Attendez, par là, j'ai pas... M, elle est où la map? J'ai même pas suivi les contours ici. C'est très la nuit, hein. Tiens, pour la peine, en attendant, on va prendre quand même des silex et du bois. Silex. Normalement, vous voyez, j'ai mis un petit peu de luminosité supplémentaire pour vous, hein, pour que vous voyez bien en stream. Donc, vous voyez même un petit peu mieux que moi, je pense. J'ai mis 0,8 de luminosité supplémentaire. C'est bien. Jour 10, quand même. Regardez, il y a un poisson qui est... Ah, mon vin, mon inventaire est plein. Sinon, je l'aurais eu. J'aurais eu le poisson. Pêche à la main, il n'y a que ça de vrai. Ouais, j'ai plus de repos, je suis mouillé et tout. Ouais, on va reprendre du repos, les amis. Ça va faire du bien. On va se faire la forge et une hache. Et après, ça va être tout bon. Tout bon. Voilà. Histoire qu'on essaie quand même d'aller jusqu'au Mistland sans mourir, ça serait quand même bien. Surtout que, bon... C'est pas comme si je l'avais jamais fait. Oh, on attend. On remonte un peu la stam. J'ai soif. Fais soif, hein. Allez, je pense qu'on peut traverser là, sans trop de soucis. Bim. Où est-ce que j'en suis? Tiens, ouais, c'est bon. Ah, c'est que la première que j'ai traversée, mais oui, d'accord. C'est comment ça se fait que j'avais pas exploré tout ça? Elle m'a senti. Tu m'as senti? Hey, bichette, fais péter la peau, merci à toi. Bien aimable. Petit cochon. Au passage, hein. Ah oui, j'ai vraiment plus de stam du tout. Je rame comme un fou. Et merci à Mandrin. Qui offre un sub à Boubou. Coucou Boubou. Putain, il y a quelqu'un qui arrive. Bim. Bonjour. C'est quoi, Miss Labs? Les Mistland, c'est la nouvelle extension de Valheim qui vient de sortir, donc c'est les terres brumeuses. Où il y a plein de bêtes sauvages et tout ça, qui font peur et tout. Et donc du coup, elle est sortie aujourd'hui, donc du coup c'est pour ça qu'on peut pas jouer en modé, parce que bah, du coup ça casse tous les modes. Ah, voilà, c'est pas grave. Parce qu'en attendant qu'ils refassent tous les modes, et bah du coup... J'ai lancé une petite partie solo, tranquillou, pour aller jusqu'au Mistland, tranquillou. Comme ça, je vais pouvoir faire ça même le soir, tard et tout. Et je vous tiendrai au courant des petites avancées jusqu'à ce que j'arrive au Mistland, de toute façon. On va reprendre un peu de stam. Reprenons un peu de stam. Avant de nager. Ça serait bête de mourir noyé. Hein. Ouais, c'est sorti. C'est sorti cet après-midi, Yuaki. Telle rêveuse.
Monica. Bim. Alors, on va pouvoir mettre tout à cuire, reprendre un peu de repos et on va aller chercher du cuivre pour faire une forge, bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'il y a par terre qui traîne? Que de nix. Ouais, tout est full pour moi. Alors du coup. Construction. Voici la troisième. Bim. Parfait ça. On lui vient. C'est de l'autre côté. Perdu. Ah oui, je suis fou. Bon, c'est pas quoi. Allez. On va se vider du brin là. Bim, bim. Et tout ça là-dedans. Le charbon, je vais pouvoir charger la mule. Ok. Encore un peu plus. Est-ce que j'ai du bois sur moi? Oui. 25 en plus. Pile poil. Tout est calculé. Non, s'il le fait, c'est qu'il peut le faire, un sorcier. Par contre, vous avez vu des fois. Ah oui, parce que j'ai plus de bois. Ah, mais trop lol. Ah oui, c'est vrai qu'il faut recharger dans le jeu. Crotte. Pour l'instant, on met ça. Alors, on va ranger. Les cailloux, c'est fait. La résine. Les plumes, les machins, les patins, les couffins. Attends, c'est le temps que j'ai avec ça. Pouette, pouette. En vrai, on va se prendre un confort tant que j'ai pas la hache. Vous savez pas quoi? Regardez ce qu'on va se faire. On va en prendre deux comme ça. On va se prendre 6 pots. Non, les pots, c'est là. On va s'en prendre 6 comme ça. Bim. Moi, j'aime bien les bleus. Quoique, j'ai beaucoup plus de framboises. Bon, allez. Je sais plus c'est combien. Donc, on va faire 5. Meubles. Bim. Quel sens peu importe, mon lit est là. On va les mettre là en attendant. La porte est là. Merde, je peux même la mettre plus haut. Hein. Bim! Et là, sous vos yeux ébahis, nous sommes à 6 de confort. Incroyable, incroyable. Alors du coup, je peux ranger ça, ça. Ici, je peux ranger tout ça, tout ça. J'ai vu que dans mon précieux, je pouvais mettre aussi cela. Ok. Ah, du coup, j'ai pas pu prendre les machins. On répare tout. Bim, 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 bim. 8h24. Ouais, bon, je vais pas pousser les mets. Alors, moi, je vais le faire de mon côté. Ce soir, je pense. Tard après manger. Je vais avancer. Je vais me faire une petite forge. Je vais me faire une hache. Je vais couper du bois précieux. Je vais avancer tranquillou. Et on pourra faire. Dans la foulée, je pourrais faire. Des tas de choses incroyables. Et en avant pour les Mistland. Voilà, donc les amis, j'espère que ce petit live vous aura bien plu. On fait des gros bisous à YouTube également, puisqu'il y aura une rediff donc, de cette nouvelle petite série solo, mais entre amis, entre nous, voilà. Un grand merci à tous ceux qui ont fait des subs, des bisous, des câlins, tout ça. Passez une excellente soirée. On se retrouve demain pour du Minecraft. Demain, on va faire mon petit monde solo en hardcore. 1.19, hein, où on fait un super château bien sympathique. En attendant, prenez bien soin de vous. Bonne soirée à tous. Moult gros bisous. Et puis, bonne soirée, des bisous. Tchou tchou. A bientôt, les amis. Alors, sur ça.
Restez avec nous, on est nombreux, donc ce que je vais, on va hoster quelqu'un. Voilà, bien sûr qu'on va hoster quelqu'un. Tac. Tac. Alors, qui c'est qui stream? Twitch. Je sais que Alps il va arrêter. Ah, il y a Zanzag. Je regarde s'il n'y a pas d'autres. Il y a Chrysalia, il y a Kadumira, il y a Tulba. Ah bah Chrysalia qui est passé tout à l'heure. Allez, tiens, comme ça. Chacun mon tour, ça va lui faire plaisir. Ça va lui faire plaisir, bien sûr. Allez, ça part dans 30 petites secondes, les amis. Dans 15 secondes. Oh oh. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Des bisous, tchou tchou tchou. Bonne soirée à tous. Bim. Louis, coucou à toi mon roi, comment ça va? Des gros bisous. Je suis sur mon hardcore, écoute, ça s'installe, j'ai fait l'usine à faire. Et toi, comment ça va? Alors comment ça s'est passé ton Valheim? Est-ce que tu as trouvé le biome que tu voulais trouver? Bisous, bon live, des gros bisous mon roi. Plein d'amour sur toi. Je t'envoie du love et des bisous, hein, comme j'aime.